Et bonjour, bonsoir et bienvenue dans un podcast. Moi c'est Rain. Ouais, j'essaye de faire illusion, mais autant vous dire, ouais. Vous dire ce qu'il en est. On a enregistré le dossier autour de 40K il y a un petit moment maintenant, et depuis, pas mal de changements ont eu lieu. Ingvar ne sera pas là pour les news. Faut dire ce qui est, au bout d'un moment, ça nous prend beaucoup de temps. Et la vraie vie ne laisse pas forcément à chaque fois l'attitude dont on aurait besoin pour aller au bout de nos passions et de nos envies. C'est compliqué de vouloir rester constant et de vouloir essayer de vous fournir un contenu qui, même si on sait qu'il n'est pas parfait, vise un minimum à vous divertir. Alors oui, on a pensé vous réclamer des likes, des commentaires, pour avoir un retour de votre part et avoir l'impression de faire ce podcast pour quelque chose. Et on s'est dit que ça venait pas spontanément de vous, ce serait pas sincère et on sait pas aujourd'hui si on doit continuer ou pas. Ingvar a pris sa décision. Moi, je vais essayer au moins, par respect pour nos invités, Bad Cop et Wolf Eyes, qui avaient gentiment pris de leur temps pour nous fournir du contenu pour le dossier, pour le tour de 40K. Je vais essayer de faire des news. On verra, je suis pas sûr du rendu. Je sais pas comment ça va se passer dans les prochains épisodes. Je tourne autour du pot et j'ose pas vraiment vous le dire, donc je vais juste me lancer au final. Ce petit enfoiré d'Ingvar est parti en vacances et me laisse gérer le bousin tout seul. Et comme en fait on voulait pas attendre pendant 3 semaines, 1 mois pour parler des dernières news qui étaient sorties, voilà, on s'est dit que j'allais faire un truc au schnapps pour les news. Et ça fait un moment que j'y galère, donc au niveau de l'intro, c'est pour ça. Ça va être très compliqué comme épisode, hein, je vous préviens tout de suite. Ça va être très fouillis. Le plus simple, c'est on passe tout de suite aux news. C'était gênant comme intro, non? Quasiment aussi gênant que l'annonce du codex chevalier par Games à la Depticon. Transition. T'as vu? Non, Games, comment réussir à vendre le principe d'avoir un codex à 3 entrées comme un codex innovant et totalement neuf et qui a rien à voir avec l'ancien? Donc, quand ils ont sorti les chevaliers impériaux, ils ont sorti un codex avec un chevalier dedans. Et qui peut se décliner suivant son armement avec 2 ou 3 persos spéciaux. Ils ont annoncé un chevalier plus gros, ça ressemble à un mini warlord, hein, donc un chevalier impérial, un chouïa plus grand, un chouïa plus large avec beaucoup plus d'armes, et cumulé avec les armingers qu'il y a dans la boîte Forgebane. Ils essaient de faire passer ça pour une faction vraiment à part entière. Personnellement, je suis dubitatif. Je vois pas l'intérêt de jouer... autant, voilà, avoir un titan, avoir un chevalier en plus dans une armée. Et je pense qu'ils auraient pu vraiment axer là-dessus. Ça aurait été... Alors, le codex n'est pas sorti, je sais. Mais ils auraient pu l'axer beaucoup plus facilement. Et en vendre beaucoup plus, je pense, en mettant en avant le fait que ça va pouvoir rajouter des petits chevaliers. Ou d'avoir un gros chevalier dans une grosse armée, des choses comme ça.
plutôt que de mettre en avant le fait que ben voilà, c'est il y a enfin trois entrées dans le codex et qu'on va pouvoir avoir ben la troupe de base qui est le chevalier normal, on va dire, le gros de chevalier et les petits qui vont permettre de compléter en termes de points. Bon, personnellement, je suis moyennement convaincu, mais ça reste moins pire que le codex Harlequin et le codex Deathwatch. Bon, Harlequin, c'est pareil, hein. En termes de figurines, il n'y en a pas des masses. Deathwatch, même principe. Là, on est vraiment sur un, en ce moment, sur un mood codex. Je sors des codex avec pas beaucoup de figurines, puis un codex ou deux codex un peu plus conséquents, savoir des armées, vraiment des corps armés, hein, les... Typiquement, ce qui s'est passé, il y a eu les Xodes, où on joue quasiment pas de figurines, les Nécrons, les Eldar Noirs, et là, ils vont ressortir dans la foulée trois codex où il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de figurines pour les jouer. Ou en tout cas, voilà, où c'est plus des codex de petites troupes qui peuvent axer un peu plus sur le modélisme. Je pense que c'est la manière dont ils essaient de les vendre. Dire, voilà. Tu veux te faire une petite force d'Arlequin, 500, 1000 points, grand max. Bah écoute, prends le codex, tu vas pouvoir les jouer à part, tu vas pouvoir les jouer en complément parce qu'ils vont sans aucun doute être compatibles avec les codex Eldar et Eldar Noir. La même chose avec les Chevaliers Impériaux et la même chose avec la Deathwatch. Dans le même ordre d'idée, ils ont annoncé Kill Team. Et je pense que là, ils sont vraiment dans un mode où ils vont essayer de mettre en avant le fait qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un ticket d'entrée énorme en termes de coût. Savoir que Kill Team, c'est du jeu qui se joue à 400 points, traditionnellement. Là, ça va sans doute changer, parce qu'on sait rien pour l'instant sur le jeu, hein. Mais voilà, 400 points, où tu joues des petites escouades, où t'as pas vraiment de véhicules, où t'as pas vraiment de gros pavés. Et ça permet vraiment de s'immerger dans une armée, de se dire voilà, moi mon but ça va être de faire une petite armée, généralement très axée sur un schéma de modélisme spécifique, et c'est vraiment pour axer sur la conversion. En même temps, c'est des armées et des manières de jouer qui se jouent plus rapidement qu'une partie de 40K classique. Je pense qu'ils essayent aussi de mettre un petit coup de pied à tous les jeux qui sortent en ce moment, les Star Wars Légion, les confrontations qui veulent ressortir, voilà, tous les petits jeux d'escarmouche. À voir ce que ça va donner, personnellement, moi ça me motive assez. Voilà, faire du kill team, je trouve pas ça plus déconnant que de jouer à 2000 points. Après, ressortir 14 codex par an. Au-delà de la durée de parution, qui est, enfin de la fréquence de parution qui est quand même ultra rapide. Enfin, moi je sais que j'ai carrément décroché dans le fait de pouvoir ne serait-ce que les acheter. Sans parler de les lire ou de les détailler un petit peu. J'ai réussi à me perdre. Alors, c'est le problème quand il n'y a pas une barre, c'est que je me perds tout seul, et vu que je compte pas monter, ben vous allez avoir droit à cette digression. Donc oui, sorti de cette durée de cette fréquence de parution, sincèrement, si c'est pour se retrouver comme en V7 à avoir 24 suppléments, au bout d'un moment, c'est chaud. Sérieusement, hein, si le mec qui veut jouer une armée d'Eldar se retrouve avec le codex Eldar, le codex Eldar Noir, le codex Harlequin, plus une ou deux factions qui peuvent aller, plus le codex d'extension qui sera sorti à ce moment-là parce qu'il y aura une campagne, parce que ça va vite devenir ingérable. Le principe des index était très bien, hein, de dire, ben voilà, on va jouer Eldar, on va jouer voilà, le corps Eldar, et on va piocher un petit peu ce qu'on veut dedans, on aura un bouquin, et il aura été pensé d'un seul tenant. Le problème, alors... Là, les collègues sortent rapidement, donc ils sont forcément pensés plus ou moins en simultané. Et encore, voilà, ça se demandait si c'est vraiment le cas. Mais se retrouver avec plein de collègues différents, au bout d'un moment, on se retrouve forcément avec des désaccords au niveau des règles. Et voilà, c'est ce qui avait un petit peu tué la V7. À voir ce que ça va donner, mais alors, personnellement, oui, je préfère avoir un gros corps de bouquins, un gros corps de règles. Et ensuite avoir des petites déclinaisons, mais vraiment ultra spécifiques, plutôt que d'avoir des codex, voilà, codex Harlequin, quoi, codex Deathwatch. Bon, c'est bien, mais pas top, on va dire. C'était la pire fin de news qu'on puisse avoir. C'est bien, mais pas top.
Ils ont annoncé la nouvelle armée d'elfes marins pour Age of Sigmar, mais ça, on s'en bat un petit peu les steaks. Par contre, si vous voulez notre avis dessus, vous pouvez vous rendre sur YouTube et regarder le live de Planet Wargame dans lequel on était invité dernièrement, où on fait justement le détail de toutes ces news. Avec pareil, Ingvar qui se barre en plein milieu parce qu'il n'a pas de race. Ils ont annoncé beaucoup de petites choses pour Age of Sigmar, pour Shadespire, pour 40K. C'est vraiment de l'annonce à la Apple. Au niveau de la communication, c'est vraiment très bien maîtrisé. Parce que ça donne l'impression d'avoir sorti, qu'ils ont annoncé des millions de trucs. Même voilà, s'il y a beaucoup de choses, des jeux de cartes et des choses comme ça, il y a comment ils appellent ça, Combat Roosters, un Highland 40K, donc une application pour faire sa liste d'armées plus facilement. Bon, pour l'instant, uniquement en points de puissance, elle sortira en jeu égal bientôt. Mais ils ont vraiment réussi à faire une application, pardon. Une convention et des effets d'annonce à la Apple où ils annoncent un gros truc, deux, trois trucs un peu plus conséquents, plein de petites choses pour donner l'impression qu'il y a énormément de sorties. Et je trouve ça pas déconnant. Ils réussissent à donner l'impression que voilà, ils ont annoncé des choses pour les 6 prochains mois alors qu'au final ils ont annoncé beaucoup de blabla. Qu'on va quand même avoir des surprises ces prochains temps parce qu'ils ont quand même pas tout annoncé non plus donc. On va pouvoir avoir l'impression qu'ils ont une dynamique de sortie qui est vraiment encore plus importante que ce qu'elle n'est, parce qu'elle est quand même très très marquée. Et comme dans toutes les conventions Apple ou les effets d'annonce des grosses boîtes comme ça, je sais pas comment l'introduire, ce One More Things en fait. Parce que pour eux, c'est vraiment ça, ils nous ont sorti un petit appui, au fait, One More Things. Parce que je sais pas si ça me plaît ou pas. Comment Merde, faut que je trouve un moyen. Hey! Tu aimes les femmes avec des bolters? De temps en temps, t'as rien contre un petit flammeur. Le caca longtemps que tu fais plus semblant. À part peut-être avec un narcoflagellant. Les sœurs sont annoncées et en full plastique. Tu sais que tu vas craquer et que tu vas toutes les acheter. Les sœurs sont annoncées et en full plastique. Ton banquier va chialer et ton revendeur va t'aimer. Ça fait 20 ans que tu dis que tu les attends. Tu as fini par t'en convaincre depuis le temps. Maintenant qu'elles sont proches, tu commences à flipper. En regardant tous tes projets avortés, les sœurs sont annoncées. Et en full plastique, tu sais que tu vas craquer et que tu vas toutes les acheter. Les sœurs sont annoncées. Et en full plastique, ton banquier va pleurer et ton vendeur va t'aimer. Niveau conversion, t'as déjà tout prévu. Ton armée sera une ode au blanchi dessus. Bon, c'est déjà le plan pour tes autres projets. Mais si tu sais ceux qui sont restés sous couchés, les sœurs sont annoncées. Et en full plastique, tu sais que tu vas craquer et que tu vas toutes les acheter. Les sœurs sont annoncées. Et en full plastique, ton banquier va se tuer et ton vendeur va t'aimer. En tant que Space Wolf, ça te fait un peu chier. Tu pensais être un peu le roi de la récré. La hype est retombée, plus personne ne t'attend. Remplacé par des nonnes dans le cœur des gens. Games est vraiment doué pour te faire hyper. Tu sais que tu vas craquer et que tu vas toutes les acheter. C'est pas pour te faire plaisir qu'elles vont ressortir. Tu vas cracher ta thune et faire brûler ton chéquier. Games est vraiment doué pour te faire hyper. Tu sais que tu vas craquer et que tu vas toutes les acheter. C'est pas pour te faire plaisir qu'elles vont ressortir. Tu vas cracher ta thune et brûler ton chéquier.
On a régulièrement des retours un petit peu développés sur nos épisodes qui peuvent se recouper en trois grandes catégories. Les « Ouais, alors j'aimerais que Ren il arrête de critiquer les Space Wolves parce que les Space Wolves c'est cool et que les Monroes y est trop fort et que nous au moins on boit de la bière. » À qui j'aimerais rappeler que ce podcast est en explicite sur iTunes et que de ce fait, il faut qu'ils demandent l'autorisation à leurs parents pour écouter. Les « Non mais c'est sympa, hein, mais en fait, vous pourriez expliquer comment battre les Tyrannides et faire des lits de tournoi parce que mon cousin, il arrête pas de me battre et je sais pas quoi faire. » À qui je conseillerais d'aller rechercher French War Game Studio sur YouTube, qui est tenu par un petit gars prometteur. C'est une petite chaîne qui débute, soutenez-les, ils en ont besoin. Et il y a mes préférés. Ceux qui nous expliquent qu'on a tort et qu'on ferait bien de fermer notre gueule. Étrangement, ce genre de retour m'est surtout destiné à moi. Rarement Ivar, je comprends pas pourquoi. Et ceux avec qui on peut entrer dans un mini-débat et échanger vraiment. Et je vais me permettre de citer ici un mail reçu il y a un petit moment. J'ai juste modifié certains mots pour les remplacer par « licorne », pour ne pas froisser la sensibilité des jeunes joueurs Space Wolf. Salut les licornes. Je vous écris pour vous dire qu'on en a marre de vous entendre dénigrer la V2, bande de licornes. Vous n'y connaissez rien et c'est juste triste. Licorne de licorne, on va vous licorner, licorne de licorne de merde. Bon, et ça continue sur trois pages de licorne. Du coup, à la place d'un dossier en bonne et due forme, vous allez avoir une sorte de droit de réponse, de la part de Bad Cop et Wolf Eyes. Ça va être un peu décousu, et Jean-Kevin qui veut qu'on lui explique comment poutrer en soirée va être un peu déçu, mais ça va nous permettre de comprendre qu'au final, on peut s'approprier 40K comme on veut tant qu'on est motivé, et aussi de se rendre compte du désespoir dans lequel la V2 pouvait plonger les gens au point qu'ils en subissent encore un syndrome de Stockholm 25 ans plus tard. Messieurs, je pense que vous êtes tout à fait d'accord avec cette introduction. Ça va. comment dire Je vois des regards haineux sur la webcam. J'ai pas écrit trois pages. J'ai des arguments nettement plus constructifs que ça, car avec l'âge vient la sagesse, comme tu t'en rendras peut-être et la vieillesse un jour. Commence pas à parler de ça, toi. Première critique, la musique d'introduction, je m'attendais à du Charles Trenet ou du Gilbert Bécaud pour être un peu dans le ton. Ça peut se faire encore. Oui, j'imagine. Bref, en tout cas, un petit peu plus sérieusement, merci de nous recevoir à votre tablée, de façon à ce... Alors moi, j'avais pas le choix. Enfin, surtout toi, parce que comme tu cumules Space Wolf et V2, honnêtement... Voilà, mais ce... Moi, je vous avais prévenu, je vous mets de bonne ambiance tout de suite. Oui, mais ce qui est précieux est rare, et je crois que je dois être le seul, dans ce cas-là, à accumuler ces deux privilèges. Bref. Donc, je suis Wolf Eyes, je suis en compagnie de mon compère Bad Cop. Nous sommes présentement ce soir des représentants du Fraisier, club non officiel de la région lyonnaise, dont l'acronyme Fraisier signifie Fédération Rhône-Alpes des intégristes. Il s'en rappelle pas. Alors ça, c'est le problème des acronymes à la con, c'est que ça. Tu t'en souviens plus très rapidement. Je m'en souviens jamais. Pourtant, c'est moi qui l'ai inventé. Bref, on est des vieux schnocks qui jouent encore à d'anciennes éditions des jeux Games Workshop, en particulier 40K V2. Et donc, suite à votre invitation, on est venu pour en débattre et arriver à vous expliquer avec nos arguments imparables et d'une clarté confondante que c'est la meilleure version que Games Workshop a jamais faite et que tout le monde devrait jeter au feu toutes les versions d'après pour se remettre à celle-là. C'est résumé. Bah, j'ai du mal à ajouter un truc avec une explication aussi claire et concise. Cela dit, on est content d'être là, oui, et je pense qu'on n'a pas fini de dire des conneries, comme d'habitude. Alors ce qui est bien, c'est que moi et Wolf Eyes, on est très dans la mesure. Tu vois, on n'est pas du tout intégriste, c'est-à-dire c'est moi qui ai raison, c'est l'autre qui a tort, donc le débat va être pondéré, il va être... millimétré, chirurgical, je le sens bien. Vous pouvez peut-être commencer par expliquer un petit peu comment vous êtes rentré dans le hobby, il y a de ça... On va pas dire il y a combien de temps est sorti la V2, parce que, bon, on risquerait de penser que vous êtes des vieux cons, mais si vous pouvez, voilà, essayer d'expliquer un petit peu comment vous avez commencé, très succinctement. Bien sûr. Alors, je m'y colle en premier... Donc, je tombe dans les univers Games Workshop au tout départ via un article dans le magazine Génération 4. Alors ça va rajeunir personne.
feu vieux magazine d'informatique des années 80 qui parlait de l'univers et des jeux qui étaient associés à une époque où ils n'étaient pas du tout traduits et à peine importés en France. Ce que j'ai dire, parce que Gen 4, quand c'était en France, oui. C'était vraiment du jeu vidéo. Oui, mais ils avaient des rubriques autour du jeu vidéo où ils parlaient de bande dessinée, de jeux de société, de wargame, de jeux de rôle, etc. Et ils ont parlé de... Je m'en souviens plus du tout. Ils ont parlé de ça à un moment donné. Moi, ça m'intéresse à ce moment-là, mais je connais personne qui y joue, j'ai pas accès au jeu parce que le seul moyen de se procurer des figurines et ou des jeux Games Workshop, c'était pour nous Lyonnais le relais des cartes antédiluvien sur Lyon. Donc, je franchis pas le pas à ce moment-là, mais je franchis le pas en arrivant au lycée. On est en 1990. Ouch. Et je tombe sur des... J'ai 4 ans. Voilà. Je le dis, non mais c'est en tout... tu vois, juste pour mettre l'ambiance, j'ai 4 ans. En arrivant au lycée, donc je tombe sur des copains de classe qui sont rôlistes et je commence le jeu de rôle aussi en même temps à cette époque-là. Et puis, je me mets... On décide de se mettre à la figurine et j'acquiers mes premières figurines à travers la boîte de base du jeu Space Marine, qui était donc à l'époque pour l'échelle 6 mm dans le système Adeptus Titanicus. Enfin, dans le système Epic, dont le premier jeu avait été Adeptus Titanicus, les combats de titans, et qui a donné après Space Marine, qui était le tout premier jeu dans les résidus russes avec des combats de Légion Space Marine contre Légion Space Marine, comme l'a expliqué le prince lors d'un de vos précédents podcasts. Voilà, donc en fait, je suis à la base un épiqueur, c'est-à-dire j'ai commencé par le système 6 mm et j'y joue toujours. Warhammer 40 000 V2, ça vient plus tard, ça vient au moment où je rencontre mon comparse. On est en 1995 et on décide de s'y mettre. En récupérant la V2 et puis les codex qui nous intéressaient, c'est-à-dire d'abord le codex Space Wolf, le plus beau, le plus racé, le plus sophistiqué, le plus pointu, le plus affûté, et puis aussi par le codex des Anges de la Mort, qui est celui dédié aux Dark Angels et Blood Angels, donc forcément un cran en dessous. Et donc on se met à jouer en 1995, on joue très régulièrement avec aussi un autre de nos comparses qui lui, étant un adepte de tous les méchants, de tous les univers existants, se met à jouer Space Marine du Chaos. On arrive à la fin des années 90 où on commence nos carrières, moi je pars en expatriation, certains sont concernés par les obligations militaires, et oui, parce qu'on est d'une génération qui était concernée par les obligations militaires, et donc on fait une grosse pause dans le jeu à ce moment-là, jusqu'au milieu des années 2000, où on s'y remet progressivement, et puis surtout via une participation au légendaire V2 Day, qui étaient des conventions organisées par la bande de joueurs qui se regroupe autour de Carpentras, dans le sud, qui organisait un week-end par an exclusivement dédié à la V2. Moi, j'y participe à ce moment-là et je redécouvre un peu le jeu, la façon de faire des armées plutôt fluff. Je redécouvre d'autres armées avec lesquelles j'avais jamais joué ou que j'avais jamais affronté. Et là, j'ai replongé dedans pour de bon et j'ai plus arrêté jusqu'à ce jour. Bon, Epicker, V2 et Space Wolf, il n'y a rien à sauver. Et donc, toi, tu découvres comment? Il a pas mal résumé le truc. C'est marrant parce que j'ai trouvé ça aussi sur un bouquin la première fois. C'était certainement un casus belli. Non, un jeu stratégie. C'était un jeu stratégie où j'ai vu une figurine de GV dessus. Mais alors, qu'est-ce que c'était? Ça ressemblait pas à un Space Marine, c'était un truc bizarre. Peut-être un garde impérial, et j'ai trouvé ça, comme adepte de la SF définitif pour ma part, j'ai trouvé ça super. Et ça m'a trotté la tête pendant un moment, jusqu'à ce que je rentre un jour chez Jeux des Cartes,
dans la boutique Jeux des cartes à Lyon à l'époque, hein, c'était à l'époque du lycée, un truc comme ça, dans les années 90, il y avait des figurines Grot Trader en Marines, j'en ai acheté 3 ou 4, j'en ai absolument rien fait parce que je savais même pas qu'il y avait des règles derrière ça, mais rien que la figurine me plaisait, je les ai achetées, je les ai peints avec 3 couleurs, bleu, blanc, rouge, désolé, ça... C'est ce que j'avais dans les mains à l'époque. Je les ai bien pourris. Elles étaient complètement nazes. Ma première peinture était carrément pourrave. Cela dit, derrière, j'en ai rien fait de spécial jusqu'à ce que je me retrouve un jour en face de, du chien-chien à sa mémère de Wolfie. À son pépère, plutôt, désolé. Hein, le chien-chien à son pépère. Et que on discute de choses et d'autres rentrant à l'école tous les deux et d'un coup je sais pas ce qui nous a amené là-dessus, je devais avoir un Dark Angel aussi, j'avais acheté un Dark Angel, un capitaine de l'époque, V2. Quelle honte. Ta gueule. C'est fait. Voilà, c'est bien, t'as bien saisi l'ambiance. J'ai touché les Dark Angel, c'est la première armée. Et quand je vais vous dire ce que j'en ai fait après, vous allez pleurer aussi. Donc on a commencé à jouer tous les deux un petit peu. Moi j'avais des Dark Angel d'un côté que je me suis un peu acheté à droite à gauche avec le superbe Codex qui m'avait trouvé aussi à l'époque. Et je me faisais démonter la gueule par ces Space Wolf en bonnet du forme. Hein. Je ne comprenais pas pourquoi j'en prenais pas la tronche au corps à corps. Je l'ai compris très rapidement avec les magnifiques profils de ce Codex pchité. Et non, juste Codex représentatif de ce qu'est le fleuve de cette légion. Hein, bah voyons. Non, il a raison. On peut toujours rêver. Non, mais t'en fais pas. Toutes les références aux spéciaux, voilà, moi c'est fait. Donc voilà, bon bref, on a commencé comme ça, en se poutrant la gueule, Marines contre Marines. La mayonnaise a relativement pris. On faisait des décors en carton passé à la bombe noire et complètement défoncé par la bombe, parce que le carton ondulait. Donc je vous imaginez la gueule des décors pourris qu'on avait à l'époque. On récupérait du plastique, du polystyrène, tout ce qu'on pouvait pour pouvoir faire des bunkers, des trucs pas nets. Voilà, et sachant qu'on a travaillé tous les deux, enfin, Bad Cop travaille toujours dans l'industrie du plastique, moi j'ai travaillé pendant 20 ans aussi, on a récupéré tout ce qu'on pouvait à une époque comme pièces sur lesquelles on travaillait pour faire des décors avec, donc on a des assemblages assez improbables qui pourtant sont en train de vouloir avoir une table. Après pour la suite, bon bah, il a bien résumé le truc, hein. je l'ai suivi, on s'est suivi et on est revenu à la V2 en grosse partie grâce au V2 Day, à cette magnifique event, et de plus aussi un truc qu'il faut souligner, au travail fantastique de Patatovic qui nous a fait des codex et des règles, tout. Il a tout remis en forme avec l'aide de plein de monde que je vais certainement pas citer parce qu'il y en a assez long comme un bras. Ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Les facs sont toutes à jour, donc en fait, ils ont fait en sorte d'avoir tout en PDF pour jouer en V2 et toutes les questions qu'on peut se poser et qu'on peut imaginer, tout est dedans quoi, quasiment. Donc ça nous a beaucoup aidé aussi. Patatovic, c'est un nom qui dira pas forcément quelque chose à grand monde, mais c'est lui qui est derrière Taran. Oui, c'est le site Taran. Ouais. Et donc. C'est plus ou moins lui qui a aussi permis l'avènement de beaucoup de vieux fluffs aux jeunes générations. Oui, mine de rien. Tout à fait, oui. Je citerai, moi, pour ma part, un dénommé Briscoe, qu'on n'a jamais eu l'occasion de croiser sur les V2D, je crois, mais qui avait fait un boulot démentiel de recompilation du livre de règles et d'introduction des facs, compléments, remise à niveau graphique, etc., qui n'en soit jamais remercié. Tentez bien que le boulot qu'ils ont fait, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous, avec Wolfie, on possède quasiment tous les codex, les livres de règles qui vont bien pour la V2. On les a rangés gentiment dans les armoires et on les touche pas, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on n'a plus besoin avec ce qu'ils ont fait. Ouais. Enfin, pour ma part, ils sont dans un coffre semi-fugé blindé avec régulation de température et d'humidité. Mais voilà. Alors, j'ai deux questions. Une un peu troll. Donc, ça fait 25 ans que vous jouez, plus ou moins, sur une version qui est quand même assez limitée en termes de. Enfin, je veux dire, il y a moins de choix que dans les armées actuelles, en termes de figurines. Tout à fait, initialement, oui. Oui, d'accord. On peut nuancer, mais continue. Voilà. Donc, tout est peint, évidemment. Tout est peint dans ce qu'on a. Non. D'accord, ce silence est assez éloquent. Ça permet d'avoir, tu vois, un point de quelque chose auquel se raccrocher. C'est ce qui relie tous les hobbyistes, c'est que tout n'est jamais peint.
ça je trouve que c'est le plus beau message d'espoir qu'on peut envoyer ce soir aux jeunes générations. Ceci dit, rapporté au volume, je pense qu'on a une proportion de pain qui est quand même assez conséquente. Mais tout n'est pas pain. Bien sûr, ouais. Tout n'est pas pain. Et donc, vous me dites 2000 retours au hobby. Ouais. Comment, en 2000, vous retournez dans le hobby et vous vous dites, on va continuer à la V2 alors que la V3 est sortie? Commences déjà, et puis moi j'affuse. Est-ce qu'il s'est passé une cassure dans votre vie? Il y a eu un traumatisme? Vous voulez qu'on en parle? Ouais. Allongez-vous, parlez-moi de votre enfance. Je remets mon oreiller convenablement. Voilà. Alors, moi, en tant qu'adepte et fan absolu du système Epic, j'ai été traumatisé autour de 1996 ou 97. Je sais plus la date exacte. Comme quoi, la mémoire, quand elle subit un traumatisme, des fois, elle se fausse. Par l'épouvantable refonte que GV a fait du système qui s'appelait à l'époque Space Marine Titan Légion, du nom des deux boîtes de base qui existaient pour le système Epic dans sa deuxième édition, qu'ils ont transformé ou remplacé plutôt par Epic 40K. Alors, je vais pas dire que le système Space Marine Titan Légion était parfait, mais le bouleversement dans les règles, dans les figurines, dans les prix de vente des figurines qu'ils ont provoqué à ce moment-là a été terrible pour moi, aficionado du système, et puis pour beaucoup d'autres, puisque je crois que ça a été un échec cuisant, cette refonte, que ça a dû rester 6 mois dans les magasins et qu'ils ont tout passé au pilon et tout abandonné après. Faut dire aussi qu'ils avaient pratiquement doublé le prix des armées, qu'ils avaient refait des règles extrêmement abstraites en enlevant beaucoup de caractéristiques typiques de certaines armées. Moi, ayant vu ça, quand j'ai vu arriver la V3 pour 40K V2, je freinais même pas des deux pieds, je freinais des deux pieds des deux mains, et j'avais aucune envie d'aller vers ce genre de truc, surtout après les premières choses que j'ai lues dessus, les changements de règles, le nivellement des caractéristiques, la disparition de tout ce qui était malus, bonus au tir, tel que nous on peut les connaître dans la V2. Ça a été un des points principaux pour lesquels je n'ai pas suivi le mouvement. L'autre aspect, c'est que on jouait entre nous, moi et Bad Cop. On n'était pas dans un club ou dans un groupe de joueurs qui aurait pu nous entraîner dans le mouvement. Je pense que c'est ça un peu qui... On n'a pas vu... Ça a été le plus gros aspect d'ailleurs, parce que outre le fait qu'on ne voulait pas y aller, parce que ce qu'on en lisait et ce qu'on en connaissait nous intéressait pas, nous bottait pas, on n'avait pas envie de sortir de ce qu'on avait pour un truc qui nous semblait à nous, à l'époque, moins bien. Moins bien et pas du tout sexy au premier abord. Mais le truc qui a fait définitivement qu'on n'y est pas allé, c'est qu'on n'avait pas de club. C'est qu'on était que deux, oui, c'est clair. Donc personne nous a poussé pour y aller non plus. Et puis ils n'avaient pas intérêt d'ailleurs, hein, parce qu'ils pouvaient toujours taper à la porte pour nous pousser. Mais voilà, on était en vase clos et on a continué tranquillement en vase clos, quoi. Voilà. Et on n'a pas été les seuls en France. La bande de Carpentras dont je parlais tout à l'heure a fait pareil. Ils doivent être encore une bonne dizaine sur Paris à jouer toujours à la V2 parce qu'ils n'ont pas suivi le mouvement. Bon, c'est... Alors, quand tu me dis ils sont encore au moins une dizaine, tout ça, j'ai l'impression d'entendre Ingvar m'expliquer qu'il peint des figurines parce qu'il a testé 3 schémas de couleurs. Donc, oui, il y a encore des gens, mais ça reste anecdotique. Toi, Ingvar, tu l'as vécu, le changement V2, V3, je me souviens plus. Je l'ai vécu, mais de très loin, puisque j'avais peut-être fait une ou deux parties en V2. Parce que, alors moi, je vais vous raconter un peu ma vie, mais moi, je l'ai très très mal vécu en ayant commencé en V3, et en ayant uniquement des joueurs V2 qui m'expliquaient que la V3, c'était une version pour les gamins, c'était une version noob, que il fallait vraiment être mongol pour jouer à ça, et que la vraie version c'est la V2, et que Games allait forcément revenir à la V3, enfin à la V2, ou sur un système similaire. Bon, 25 ans plus tard, on voit où on en est, donc visionnaire, bravo les mecs. Ce que tu dis, c'est que ces mecs-là, si ça se trouve, tu les vois aujourd'hui, et ils vont te dire que la V2 était un système compliqué, et que pour rien au monde, ils y retourneraient. Nous, à l'époque... C'est pas impossible. Voilà, ceux qui étaient... Oui, il y en a beaucoup qui diront que c'est de la merde. C'est ceux qui râlent tout le temps. Nous, on n'a pas pu râler sur toi à l'époque parce qu'on n'était pas en club. Donc, on s'est juste mis dans un coin et on a joué tranquillement. Et on s'est dit, ils vont se faire voir. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leurs règles. Puis c'est tout. Oui, j'ai le bout sous la main. Oui, je sais. Faut bien que je me venge sur quelqu'un. Alors,
Après, pour replacer un peu les choses dans le contexte, je pense aussi que on était l'essentiel des joueurs, j'ai l'impression, hein, je peux me tromper, qu'on était issus du jeu de rôle ou du wargame classique sur pion, c'est-à-dire avec une culture de jeu compliqué. Réaliste. Si je parle pour mon cas, moi j'ai fait du jeu de rôle, j'étais meneur de jeu à Cyberpunk, j'ai beaucoup joué à des trucs comme Rollmaster, c'était des usines à gaz, démentielles. Ça veut dire que le niveau de complexité ou de complication, pour reprendre les termes du prince de votre précédent podcast qui avait bien illustré ça, était pour nous tout à fait tolérable et tout à fait dans ce qu'on avait l'habitude de jouer et nous dérangeait pas. Après, là maintenant, 20 ans après, c'est sûr que ça sortirait comme ça maintenant, au secours, quoi. Ça marcherait pas du tout. Ce que je veux replacer, c'est que la culture ludique de cette époque-là, ouais, j'allais dire du jeu d'ingénieur, ouais, c'est un peu ça. Du jeu complexe, avec plein de règles dans tous les sens, avec plein de types de dés, et non pas du Fast and Furious. Pour les aficionados du jeu vidéo qui vont retrouver les mêmes sensations sur table à figurines. Et sorti de la V2, aujourd'hui, quand tu joues à un jeu de société, à un jeu de rôle, à un jeu vidéo, est-ce que tu recherches encore cette complication? Non, moi maintenant, mais surtout pour une question de temps. Ouais, Parce que c'est un la peu le vraie problème en vie fait. étant ce qu'elle C'est que le temps, on est. n'en a pas des masses, et du coup, se remettre à un jeu, c'est un peu compliqué. Voilà. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'a pas évolué depuis. C'est-à-dire que on a un certain temps disponible pour le jeu de figurines ou le jeu en général. J'ai pas envie d'en consacrer la moitié à me remettre la tronche dans un système de règles et à tout réapprendre. Parce que aujourd'hui, c'est un discours qu'on entend aujourd'hui dans le jeu vidéo. C'est un discours qu'on entend aujourd'hui dans le jeu de rôle. Le meilleur exemple, ça va être Cthulhu V7, hein, qui a fait un carton parce qu'elle est ultra simplifiée. Enfin, les règles, c'est tu lances un dé, tu regardes sous ta carac et puis point barre. Ça passe pas. Moi, je trouve ça un peu contradictoire d'avoir, tu vois, cette vision sur les autres jeux, on va dire les autres hobbies, les autres loisirs que tu peux avoir. Mais rester là-dessus sur la V2. Après, je comprends, avec l'habitude, avec le fait de rester dans le cercle de joueurs, de rester dans tout ça, mais la V2, pour les gens qui aujourd'hui n'ont jamais connu, ne connaissent pas et ne veulent surtout pas connaître, ils ont bien raison, la V2, c'était quand même une. Non, mais je veux dire, la V2, on lui reproche aujourd'hui la même chose qu'on reproche aujourd'hui à la V7, à savoir qu'elle a été très poussée, très réaliste, entre guillemets, enfin, quasiment simulationniste. Mais c'était ultra lourd. Alors, Enfin, moi je le voyais comme ça. J'ai fait 2-3 parties ensuite en V2, en ayant commencé en V3. J'ai jamais pu jouer plus en avant que ça en V2 parce que c'était ultra lourd. Alors, nous, ouais, on peut comprendre cette critique et cette vision. Alors, ouais, et je suis d'accord avec ton avis sur le fait que ce soit un peu contradictoire, mais bon, on la connaît sur le bout des doigts ou quasiment. Et puis c'est là où je mettrai aussi un autre argument en sa faveur, c'est sa richesse. Parce que on est sur toute la gamme de codex qui a été sortie à l'époque, je crois qu'on atteignait 19 listes d'armées différentes. Bad Cop, peut-être que je dis une bêtise, Non, mais si on c'est à peu compte près tous, parce ça. qu'il y a des codex, il y a plusieurs listes dedans, ouais. Le fait que les variations d'organisation d'armée, les variations d'équipement des différentes escouades, des différents personnages, des différents véhicules faisaient que la richesse et la possibilité de quasiment jamais sortir la même liste d'armées est réelle. Et du coup, ben, sa richesse fait que 25 ans après, on n'en a pas encore fait le tour. Alors certes, on fait pas une partie tous les 15 jours non plus. On n'a pas fait une partie tous les 15 jours en 25 ans. Mais on ne s'en est pas lassé. C'est l'un des gros avantages. Et on a intégré un sacré paquet de nouveautés dedans en plus. Je vais juste me permettre de faire la remarque parce qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent en ce moment qui vont se la faire. Tu pouvais avoir une énorme richesse. La majorité des gens jouaient quand même toujours la même chose. Comme aujourd'hui à 40K, hein, tu peux avoir une énorme richesse. La majeure partie des listes se ressemblent quand même. Alors, peut-être que dans votre petit groupe de joueurs, ou peut-être qu'aujourd'hui, avec les V2D et compagnie,
il y a moins cet aspect-là, mais quand tu as uniquement cette version-là, tu as toujours un noyau, un gros pool en fait de listes communes, parce que c'est des trucs qui marchent, qui ne demandent pas beaucoup d'investissement et qui fonctionnent. Alors, la première chose qui me vient en tête, c'est que forcément, quand tu as une armée de Space Marine, on va prendre n'importe quel chapitre, c'est pas le souci, et que tu as fait un investissement sur de Land Raider, un Predator, un Red 9 et compagnie, et que tu t'es rendu compte qu'en les mettant sur une table pour 2000 points, tu rases l'adversaire. T'es tout de suite amené à te dire ben, j'ai acheté ça, ils sont peints, je joue avec ça et je viens, je joue tout le temps avec ça. Le problème, c'est que nous, enfin moi perso, et je pense que Wolfie, c'est pareil, on se lasse au bout d'un moment. On se lasse et pendant un moment, j'ai été un peu le spécialiste de monter des armées à la con où je me faisais rouler dessus, ce qui a beaucoup fait rire Wolfie. Mais j'aime bien monter tout et n'importe quoi, et même dans une liste d'armée, hein, tout en respectant les conditions d'une liste V2, parce qu'il y a des conditions avec comme il y a aujourd'hui, hein, c'est de l'appui, des personnages, etc. Et je sais plus après où je veux aller, mais c'est pas grave, on va y aller quand même. De toute façon, on peut prendre un tas de choses. C'est vrai que les Space Marines sont très limités par rapport à ce qui rocks entre guillemets. Et on va, enfin, très limité, c'est-à-dire qu'on prend du dread, on prend du blindé, et généralement ça se passe plutôt mal pour celui qui est en face. Cela dit, il y a du répondant suivant les races qu'on a, et depuis le temps qu'on est dans le hobby, on a pas mal d'armées aujourd'hui, et on a pas mal de choix. Donc chacun, on est quand même bien stuffé. Ouais. On a quand même beaucoup accumulé, donc ça aide à la variété aussi. Mais voilà, après, suivant les races qu'on peut prendre et les codex, c'est vrai qu'après, on peut avoir cette tendance à dire bon, bah ça marche bien. J'ai fait 15 listes de la Death Guard, par exemple, il y en a une qui marche très bien, je la ressors à chaque fois. Ouais, mais alors, vu qu'on fait une partie par mois, et des fois ça peut être une fois tous les deux mois, ça me fait chier de sortir systématiquement la même chose. Et nous, ce qu'on veut, c'est se faire plaisir. C'est se faire plaisir. Si c'est répéter systématiquement le même truc avec les mêmes armées et soit se prendre une pile, soit défoncer l'autre, on s'en fout. C'est pas l'intérêt. C'est pas l'intérêt du tout. L'intérêt, c'est de sortir avec ce que nous propose la V2 aujourd'hui et ce qu'on peut attraper à côté. Des listes d'armées sympas. Fluff, bah oui, parce qu'on respecte de toute façon les règles de montage d'une liste d'armées et on fait pas n'importe quoi. On met pas plus d'appui que de personnages ou tes squads, etc. Disons que il y a des limites dans les constructions d'armées, mais nous on a même tendance à aller au-delà, c'est-à-dire à pas se tenir stricto sensu aux proportions qui sont réglementaires, je dois dire, mais à sortir des armées avec le plus de troupes de base possible, ne pas tomber dans un des travers de la V2 qui sont les personnages Uber dopés et Uber équipés qui peuvent retourner la partie tout seul. C'est rare. Idée reçue, tiens. J'appuie sur le bouton. Ouais. Voilà. Idée reçue. Un personnage en V2 défonce n'importe qui en face. Et toute une armée. Non. Un coup de canon laser dans le bide, et ça lui fera un gros trou à ce con, et vous allez rater votre champ 3+, et le machin qui a coûté 250 points, il est mort, et ta figurine que t'as passé 2 semaines à peindre, tu la fous dans ton panier. Et terminé. Voilà, et tu viens de donner 3 points de victoire à ton adversaire, qui n'en entendait pas tant. Et tu pleures et tu te casses. C'est vrai que, moi, dans l'expérience que j'ai, les pires roustes que j'ai pris, ou les pires trembles que j'ai infligées à l'adversaire, c'était entre guillemets, des armées de pouilleux. Garde impériale, secte Gen Stealer, c'est-à-dire des armées plutôt populeuses, assez variées dans leur type de troupes. Et qui savaient encaisser les pertes, tout en infligeant plus aux à l'adversaire. J'ai rarement vu, voire jamais vu, une armée de Space Marine, une armée d'Eldar, rasée intégralement ce qu'il y avait en face. À propos d'idées reçues, les durées des parties en V2, pour une partie à 1000 points par exemple, 3 semaines. Une ou 2 semaines. 3 semaines, sans manger, sans faire pipi. D'accord. Et caca autorisé au bout de la 2e semaine quand t'es par terre. Voilà. Ouais, et 3 semaines de sommeil par tranche de 72 heures. Sinon, tu es fumé. Pour répondre un peu plus sérieusement, j'ai presque tendance à dire sur une armée pas trop populeuse, avec des armées pas trop populeuses des deux côtés, type Space Marine Eldar, Space Marine du Chaos, j'aurais tendance à dire 1 heure par tranche de 1000 points.
Par tour, tu veux Je... dire? Non, non. Partie jouée, sans l'installation. En fait, À 1000 points, tu joues deux figurines ennemies aussi, non? Oui, en fait, une figurine, tu joues uniquement le capitaine qui va défoncer les 400 orques d'en face, en un C'est tour, ça. en pissant dessus. Et non, mais c'est ça, Bon? on va jouer 3 heures, un peu plus de 3 heures, avec la mise en place et les bières et les Smarties, et plein d'autres trucs d'ailleurs que j'ai oublié. Mais voilà, on va jouer 3 heures, 3 heures et demie pour 2000 points, ou 3, enfin 3000 points, 1500 points chacun quand on joue deux contre deux, par exemple. Ouais, donc c'est pas tellement plus long, mais alors c'est Ah peut-être aussi bah, parce que vous il y a un truc connaissez qui est clair, bien si vous le connaissez pas la système. V2, et si vous connaissez pas non plus la Ça. V8 ou la V7, et que vous voulez jouer avec votre collègue qui n'y connaît rien non plus, vous allez mettre, je sais pas, un week-end à faire un tour. Et vous allez faire plein de conneries. Donc c'est... Alors, ouais. Ah. Alors, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que j'ai commencé la V8 il y a pas si longtemps. On va pas donner de date pour ma crédibilité. J'ai commencé la V8 il y a pas si longtemps et au final, les règles. Bon, j'avais joué aux versions précédentes, donc ça aide aussi, mais très sincèrement, les règles de base, 20 minutes. C'est vrai qu'il y a 20 quatre minutes, pages, tu les c'est comme comprends. Age of Sigmar. Attaque. Ah ouais. Mais. Alors, au départ, je faisais partie de ces gens qui disaient ouais, c'est dégueulasse, te rends compte, c'est trop débile, les Leman Russ, ils ont plus de ligne de vue, ils ont des points de vie, c'est ridicule. J'aime pas, mais je peux comprendre pourquoi il y a beaucoup de gens qui apprécient, et en jeu, ça fluidifie quand même beaucoup. Donc, même si la V8, ça va pas être une version que je vais apprécier plus que ça, bah, je me rends compte qu'elle tourne quand même vraiment bien, qu'elle permet de faire beaucoup de choses très Ouais. sympas. D'ailleurs, pour revenir sur les sujets des différentes éditions, mais avec vraiment un point de vue de Candide, est-ce que la V7 était vraiment devenue si imbattable que ça? Bah, moi, alors pour ce que j'en ai connu, la V7, c'était la V2. C'était aussi imbattable. Il y avait des règles dans tous les sens. Il y avait plein de cas de figure qui étaient couverts et d'autres cas de figure qui n'étaient pas couverts. T'avais des pouvoirs psychiques, des phases complètes. T'avais, enfin, c'était vraiment. Ça commençait à devenir simulationniste. En fait, la V2 était relativement compliquée, vu d'un jeu de rôle. La V3 a simplifié énormément. C'est ce qui a été très décrit à l'époque. Et au fil des éditions, ça a été complexifié. Arrivé en V7, oui, c'était imbuvable. Enfin, toi, Ingvar, je sais pas les souvenirs de la V7, mais moi, c'était vraiment un truc. J'ai joué trois parties parce C'était que très pas lourd. Et supportable. puis, déjà, la version de base était lourde. Et en plus, ils ont rajouté au fur et à mesure de la lourdeur avec des détachements, des codex, des machins, des formations, des trucs. Tu t'en sortais plus. Tu t'en sortais plus, ouais. Et puis qui se contredisaient les uns les autres au fil des sorties Même pas aussi, non? forcément, mais enfin Bah, comme dans c'était même toutes pas les ça qui était le versions. plus choquant parce que ça passait. Mais en gros, à la fin de la V7, tu jouais des formations. Donc c'est-à-dire que tu devais prendre telle unité, telle unité, telle unité vraiment spécifiée pour avoir tel bonus qui faisait que tu jouais une Death Star et puis voilà quoi. Puis tu roulais sur tout le monde avec un dos au cul et l'autre à l'oreille. Ouais, parce que là aussi, on a un de nos copains joueurs qui a fréquenté un petit peu des conventions, des choses comme ça. Il nous a raconté avoir vu un truc assez édifiant en V7. C'est comme ça devait être sur un tournoi, pas vraiment important, mais un tournoi où les deux joueurs se sont salués, ont regardé les listes d'armées l'un de l'autre, et il y en a un des deux qui a dit c'est bon, on déballe pas les figurines, je ne joue pas, tu as gagné. Non, mais ça m'étonne pas. C'est pas, c'est, ouais, Mais c'est parce que nous, ça nous avait choqué, mais est-ce que ça a été vraiment à ce point-là? oui, t'avais des listes qui étaient infâmes. Ben, comme en V2. Enfin, je veux dire, tu vas pas me dire qu'en V2, t'as pas des cas de figure où tu sais que l'autre a gagné, quoi qu'il arrive. Non. Bah, ça dépend. Si tu fais le con avec Là, une liste, tu prends, Ah non, je sais attends. pas, mais... De la façon dont nous, on construit nos Oui. armées, de la façon des limites qu'on s'impose Ouais, mais intuitivement, je te dis pas sur la version que non. vous jouez ou vous imposez des règles. Après, Je te parle de la V2 de base. Est-ce que tu as des configurations où t'en as un, il prend une liste d'armées. Je vais dire une connerie, il prend une liste d'armées de Gretchin.
L'autre, il prend une liste d'armées de Terminator. Est-ce qu'il n'y en a pas un Oui, mais qui c'est va clair. poutrer l'autre Si quoi tu qu'il arrive? prends que des orques équipés avec des pistolets laser, et en face, tu as une armée avec des Space Marines et des Dreadnoughts et compagnie. C'est évident. Mais par contre, faut être con. Après, Voilà. faut vraiment Non, être mais con après. pour faire une liste de Non, mais. merde pareille. Non, mais justement, sans entrer dans des listes de merde, c'est vrai qu'en V7, t'avais des listes. Non mais excusez-moi, on parle de d'orques à pied, c'est des listes de merde, enfin vraiment? Enfin on en est là? Enfin moi j'ai des potes, hein. Enfin là ils sont en train de payer des gitans pour venir vous casser la gueule. Hein. Ah, c'est ça le Je veux bruit dire, dehors. je veux dire ouais les mecs ils sont fait chier à peindre leurs 200 boys, Cyril si tu m'écoutes, à peindre leurs 300 boys à pied, enfin là ils sont... ils font un AVC Alors en ce ça me moment, fait penser à un faut truc d'ailleurs, c'est que arrêter. c'est quoi l'histoire des gardes impériaux avec leur pistolet à bouchon qui dessoudent un titan sur une partie Apocalypse ou je sais plus quoi là qu'il y a eu en. C'était en V8, je crois. Non, c'est, ils avaient fait un test pour voir si des Ah, des Grinch. Gretchen à nombre de points égal pouvaient battre un titan. Parce que en fait, aujourd'hui, pour éviter justement ce genre de cas de figure, tout est possible, avec des probabilités très très minces, mais tout est possible, et c'est juste une question de durée. Si tu prends des Gretchen et que tu les fais affronter un titan à point égal, statistiquement, les Gretchen peuvent finir par le buter. Sauf que le titan va faire tellement de morts par tour, il va prendre les objectifs, il va prendre tout ça, que au final, voilà, c'est, il va gagner. Mais t'as pas cette limite qui dit que tu peux pas. Aujourd'hui, si tu joues une liste d'armée à la con, que des orques à pied contre que des titans, ben tu peux. Pour faire une touche, faut que tu fasses 4-6 d'affilée, Alors, en mais tu fait, peux. c'est surtout ça aujourd'hui. Nous, on a une approche, comme le disait Wolfie, très rôliste et très réaliste en fait du jeu de figurines que nous apporte la V2 aujourd'hui, parce qu'en V2, il est statistiquement et même dans les faits impossible de défoncer un blindé si on n'a pas l'arme appropriée. Ne serait-ce qu'on ait un bolter. Le bolter, on peut se le mettre dans le fion, on peut rien y faire. Un prédateur en face. Vous allez rien faire de la partie. Et ce que, ça nous semble Ouais. logique parce que tirer Le sur un ouais. avec un bolter sur un Ouais. prédateur, c'est comme si on tirait avec un Magnum 357 sur un char Leclerc. Le mec va se marrer dans le char. Seulement, il va vous rouler dessus à un moment donné. Et là, vous allez moins vous marrer. Donc voilà. Voilà. Ouais. Alors après, pour revenir à ton sous-entendu, oui, la V2 permet des configurations dégueulasses avec les Eldar, Ah non, mais toutes les versions. Les avec Eldar, le c'est mal, ça chaos, pique. avec les tyrannides et j'oserais dire avec la garde impériale également. Après, ça ne veut pas dire que la configuration dégueulasse permettra vraiment d'éradiquer l'armée à chaque fois adverse à chaque fois. Et suivant la mission, parce que la V2 repose sur un système de mission avec un objectif à accomplir dans la partie qui peut être zigouiller le commandant adverse, envoyer une escouade ou un véhicule dans la zone de déploiement ennemi, ce genre d'objectif tactique, on va dire. Ils sont toujours en place aujourd'hui. Ouais, j'imagine. Mais forcément moins bien fait. Non, Space Wolf, c'est pas crédible. Je disais pas que la V2, tu avais obligatoirement des configurations complètement folles où tu pouvais pas. Je veux juste pas vendre le fait que la V2 est mirifique et qu'elle permet d'avoir un jeu ultra sympa. Autant dans votre cercle de joueurs et autant avec le temps. De pas avoir envie de partir sur de la poutre bah t'es méchante et partir sur la liste qui sort tout le temps qui sort gagnante tout le temps. Voilà, c'est pas ce qui était représentatif à l'époque, Bon, quand même, de la après aussi, la V2 c'était quand même vachement plus underground. C'était à l'époque, c'était très très niche, encore plus que maintenant. T'avais moins d'événements qui étaient organisés autour. V2. Et du coup, les gens, Ah voilà, bah les oui. gens jouaient plus entre Ouais. eux, plus à la gueule en fait, plutôt que à l'événement. Et puis, ah bah ça joue à cet endroit-là donc je vais y aller. C'était vraiment à la gueule, tu t'entends bien avec la personne, tu joues avec, donc forcément il y a des affinités. Donc forcément, le style de jeu correspond. Et puis du coup, bah, je pense très sincèrement que t'avais beaucoup moins de mecs qui étaient là juste pour défoncer leur adversaire sur la table, pour
Je suis entièrement d'accord. C'était une époque, c'était les premiers, c'est le premier jeu traduit officiellement par Games Workshop France. C'est pas impossible. Non, il y a dû y avoir Battle juste avant. Games Workshop n'avait absolument pas la structure que ça peut avoir aujourd'hui. Les tournois, ça devait exister qu'en Angleterre ou pas loin. Bah les tournois, c'était les Games Day, quoi. Voilà. Et puis encore une fois, ça s'adressait un peu à une population Oui, c'est d'initiés, ça. les gens qui lisaient Casus Belli, qui étaient rôlistes à côté, T'as... etc., Et quoi. puis, Donc là, oui, j'ai je suis même tout à envie fait de d'accord. dire, avec Bad Cop, ton avis là-dessus? Hein? Allô? Ton avis là-dessus? Moi, ce que je pense que de toute façon, que ce soit à l'époque de la V2 ou à cette époque aujourd'hui, et vous êtes bien placé pour le savoir, dans les clubs et dans les maisons, il y a toujours la bonne vieille âme humaine qui reprend le dessus et les gens qui veulent roxer avec leurs armées. Et eux, ce qui les intéresse, c'est jouer et gagner, et jouer vite. Et à l'époque de la V2, il y en avait qui utilisaient toutes les ficelles possibles et imaginables qui allaient bien pour pouvoir roxer à donf. Et du coup, forcément, ça gâchait un peu le plaisir de tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens le font aussi. Voilà. Merci. Merci. Voilà. Je vais plus parler qu'à toi parce que les deux Space Wolf, là, on te reprend un trip Ouais, nostalgique. À l'époque, c'était non. mieux. Ah Non, non, mais à je l'époque, c'est un prends. truc d'initié, quand on se connaissait, tu vois, on jouait entre nous, mais c'était avec les petites fleurs et tout. Non, mais sans Non, déconner, quoi. je vais mettre mes galons Oh ultramarines. putain. Je rajouterais même que la V2 était forcément, de par l'époque où elle a été pondue, et on va dire la culture ludique qui était derrière, était nettement plus permissive que peuvent l'être les versions qui ont suivi, ça c'est sûr. Comme disait Fiontus, à qui je fais des bisous si jamais Ah, il bisous, écoute, Fiontus, joli, hein, quand même. c'est Moi, je te laisse, hein, là. n'est-ce pas? Là, j'arrête tout, là. En fait, c'était le taulier des D2D dans le sud. Très sympa. On n'a pas toujours gagné, mais on n'a pas souvent pleuré non plus, parce que tous les trucs rigolos qu'on avait dans la V2, ça c'était l'argument massue que je gardais pour le cœur du débat, et ben je suis pas sûr que vous les avez maintenant dans vos versions d'après, hein. Alors attends, vas-y, parle-moi de la grenade Vortex où quand on a préparé l'émission, vous m'aviez dit que vous la sortez jamais parce qu'au final, bon voilà, c'est pas si... Puis il y a un risque de se la prendre dans la gueule, donc c'est pas tellement... Alors, Ça, j'en ai non, pris il y une, a une j'en ai règle, pris une là, fois. Il me l'a balancé, cette espèce de vieille non. chaussette pourrie de sale clébard, à son papa, hein? Tu m'as fumé mon Oui, Méphiston, mais saloperie. tu as... Oui, ben justement, tu avais Bah sorti oui, mais il me l'a Méphiston. fumé, avec sa Alors, saloperie d'inquisiteur. faut pas te plaindre. Non, il y a une règle Et vous voyez officielle. en ce moment deux joueurs V2 qui, après vous avoir expliqué que c'était la belle époque et que tout le monde jouait dans la joie et la bonne humeur, s'engueulent parce que l'un a sorti un perso trop pété et l'autre a sorti une grenade Vortex. Voilà, c'est ça, poète. Continuez, c'est la voix off, hein, vous n'êtes pas censé l'entendre. Non, mais c'est con, on l'a Non, entendu quand même. Mais ouais. ça, c'est. Ouais, vas-y, Donc, finis, après, je te parlerai de la malédiction des moi, Boudangers. donc, ouais, La donc, moi, je. règle, parle-nous de ta Ouais, règle. aussi. Donc, moi, je vais parler de la règle qui me fait toujours plus rire, c'est la règle du chariot de guerre orc Ah oui, en c'est bon V2. ça. Un chariot de guerre orc est donc un transport de troupes. Donc, la règle, c'est sa capacité de transport, c'est toutes les figurines que vous pouvez mettre dessus en vrai. Et quand vous déplacez le véhicule sur la table, toutes celles qui tombent, toutes les figurines que vous avez mises dessus qui tombent de la figurine du chariot de guerre, eh ben, comptent comme étant tombées en jeu avec les règles de chute appropriées. Ça m'a Ouais, et toujours vu fait qu'ils ont hurler une de rire. armure en forme de pagne, ou enfin de pagne en tissu, on va dire, et ben quand ils tombent, ils se défoncent la gueule. Mais c'est des orques, qu'on s'en fout, ça coûte rien. Et puis quand il y Oui, en a un mais qui tombe, il y c'est... en a deux autres qui reviennent. Ça fait partie des règles sympas, mais tu peux pas te Ouais. baser là-dessus pour expliquer qu'une version est meilleure qu'une autre. Toutes les versions ont eu des règles à la con comme ça. Peut-être pas aussi Non, poussées. pour redevenir au même un peu sérieux, est-ce qu'il est c'est pas utile de comparer. Le jeu a trop évolué aujourd'hui, c'est plus la même chose, tout simplement. Alors moi, je trouve que c'est vachement important de comparer. Parce que aujourd'hui, moi, la V8, je trouve qu'elle est très très proche de la V2, dans le sens où tu as beaucoup de possibilités sur les listes, tu as des possibilités très fluff, mine de rien. T'es plus forcément obligé de jouer un QG de troupes et compagnie, mais tu peux très bien dire, ben voilà, je joue une compagnie,
Je sais pas, de blindé, donc t'as plus de choix de soutien qu'autre chose, t'as plus de persos d'autre chose que tu joues une première compagnie, quelque chose comme ça. T'as des personnages qui sont trop mis en avant à mon goût, mais qui ont un impact sur le jeu. Donc moi je trouve que la V8, c'est aujourd'hui la meilleure version de la V2. Putain. Enfin, on dirait elle symbolise la meilleure version de la V2, alors que la V7, c'est tout ce qu'il y avait de pire dans la V2. Tout le côté ultra simulationniste. D'accord. C'est que mon avis à moi, hein, mais Je pense que je vais décéder là. on est Au revenu. secours. La papine rigole de moi. Ça va plus là d'un coup. Là, c'est. J'ai une perte. J'ai une perte, nom de Dieu. Ah non, alors à ton Non, âge, on c'est appelle pas que. ça une perte, on appelle ça une descente d'orgueil. Ouais. Bah, faut pas que ça descende trop bas avec un pi. Non, c'est que en fait, non, c'est pas ça. C'est tout simplement, il y en a un à Lenton au siège. Il a retrouvé les PDF de la V2, il les a lus. Il a dit, ouais, putain, c'est génial. Et il a montré ça aux autres. Et ils ont pris plein d'idées dedans pour les mettre dans la V8. Mais c'est ça, c'est aujourd'hui tu regardes, tu as des caractéristiques de mouvement différentes pour symboliser la différence entre les troupes, entre voilà, tout ça. Tu as des malus, des Ah ouais. bonus. Tu as on va dire des stratagèmes qui vont remplacer l'équivalent de la grenade Vortex. Ou ça va être des petits tricks que tu vas sortir de temps en temps et vraiment Ouais, situationnel. en V2, ça s'appelle les cartes de stratégie, qui sont des surprises, bonus bizarres, événements sur le champ de bataille qu'on a de manière aléatoire. Voilà, mais je veux dire, tous ces petits tricks, tu les as. Et moi aujourd'hui, sincèrement, pour moi, la V8, c'est la V2 pas compliquée. Oh, ça aurait été un super slogan sur la boîte Dark Aprium. La V2 pas C'est un compliquée. coup à brûler le magasin, ça. Oh, un Pisser peu. sur la Mais oh, porte, je je le vois, crois. il s'énerve. Un truc comme ça. Mais vous les avez lues, les règles V8? Non, j'ai pas encore trouvé de moment où je m'ennuie assez pour mettre le nez dedans. Ceci dit, on les a, et non, faudrait quand même qu'on y jette un œil, un de ces quatre, ne serait-ce pour voir s'il y a deux ou trois bonnes Alors, idées à récupérer. moi, je les ai pas lus. Par contre, j'ai fait l'erreur, mais du coup, ça m'a permis de me définitivement de me piquer pour pas le faire. Par la suite, c'est j'ai acheté à la boîte Deck Jo Sigmar quand elle est sortie. Et oui, je l'ai acheté. J'ai trouvé pas trop cher et je l'ai acheté. Et j'ai lu les quatre pages de règles. J'ai joué avec le gamin. Le gamin, ça lui a pas plus que ça. Donc on a arrêté. J'ai tout revendu plus cher que j'avais acheté. Je me suis acheté le truc après derrière. Donc je me suis débarrassé. T'as eu raison. Oui, puis j'ai trouvé ça naze. Hein, mais bon, après c'est moi, c'est Oh, clairement. subjectif. Il y a un truc qui me gêne moi dans la V8, c'est que alors. Non, c'est pas une copie des règles de Age of Sigmar, ils ont pas fait cette bêtise, je pense pas. Ils s'en sont certainement un petit peu Inspiré. inspirés, ouais, c'est ça. Ils Non, ont ils ont dû changé le tester titre, ça. hein. C'est Age of Ouais, Karamgar, quoi. ils ont testé certains principes. Par contre, ce qui me Ouais. gêne, moi, dans quand je lis les profils, tout ce qui est marqué, c'est que au lieu d'avoir des chiffres en bonne et due forme sur les profils, on met des 3+, des 4+ dans tous les sens. Histoire de dire, bah, ça, c'est le résultat que vous faites pour taper, ou ça, c'est le résultat que vous faites pour l'endurance, ou machin. Non, moi, ça, j'y arrive pas. J'ai un blême En avec ça. fait, t'as juste bah pareil. Pareil, mais au final, tu le zappes. Ça te fait zapper un Oui, tableau, quoi. bah c'est ça. C'est certainement un intérêt pour éviter de chercher dans un bout de tableau, dans un codex au fond d'un truc. Mais Mais c'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est que le jet pour toucher au cac, ok, parce que c'était contre la capacité de combat adverse, mais pour tirer, c'était juste un calcul à la con, qu'ils ont juste converti en résultat, en fait. Parce que si je me rappelle bien de tête, c'était tu prends la capacité, tu ajoutes 7 ou tu réduis 7 à la capacité. Non, Enfin, tu. Ouais. c'est la capacité de tir plus le dé doit être Ouais, c'est égal à ça, ouais. 7. Et Un le truc 1 comme est un ça. échec. C'est ça. Donc voilà, tu. Mais je suis tout à fait d'accord avec Bad Cop, hein. Moi, ça m'a perturbé, mais alors à un stade, et ça me perturbe encore. Mais bon. Mais au final, oui, sorti du stade, vieux con, tu te dis. Avant, c'était pas comme ça. Alors, je dis vieux con, sincèrement, c'est pas pour toi. Hein. Je m'inclus dedans et c'est plus une mentalité qu'autre chose. Mais moi, en voyant ça, je me suis dit non, mais ouais, c'est débile. Enfin voilà, au bout d'un moment, on n'est pas en train de jouer aux petits chevaux. Un minimum de cohérence, s'il vous plaît, monsieur. Oui, voilà, Mais au ben. final, oui, c'est un tableau qui est toujours identique. Donc. Oui, mais
Je comprends que ça puisse te choquer. Ça me choque, mais ça m'empêche d'y aller. Moi, là-dessus, d'un autre côté, ça me... Ouais, mais pas que ça. Peut-être parce que nos repères, le cadre dans lequel on a l'habitude de jouer, fait que ça, c'est un truc qui est vraiment différent et qui nous perturbe. Moi, il y a le truc qui m'énerve dans les versions de maintenant, et c'est strictement de la forme, mais je ne supporte pas quand je les parcours... tous les termes qui sont pas traduits qui restent en anglais. Ouais. Ça a commencé en V7. Alors ça c'est un truc qui mais tout simplement ils ont fait ça et ils traduiront plus aucun nom en français. C'est uniquement sûr. Pour le copyright. Tout à fait. Non, moi je suis d'accord hein. Quand moi je lis Space Marines, Space Wolf, Drake Dot, Drop Pod, Thunder Hook, Land Speeder, moi ça me met hors de moi. Enfin, les termes non traduits comme ça. Honnêtement, c'est scandaleux, vraiment. Oh là 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 là, c'est vrai. Pourtant, non mais je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi, sincèrement. C'est juste pour le troll. Ouais. Je vous écoute depuis le numéro 1, j'aurais dû me l'attendre à celle-là, mais ouais, il m'a pas eu surprise. J'ai envie de dire. Ah non mais moi je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, en fait c'est vrai, ou alors c'est Dreadnought, ça a jamais été traduit, ça passe. Mais moi j'adorais avoir des prêtres des runes et pas des Ron Priest. Enfin, je veux dire, c'est qu'un exemple comme ça qui me vient. Ouais, bon, ça me ferait quand même un peu mal au cul de jouer des anges de sang ou des loups de l'espace. Oui, il y a des choses qui sont réussies aussi. Des anges sombres. Je suis un ange sombre. Il y a des termes qu'ils ont eu la délicatesse de ne pas traduire à l'époque et c'était pas plus mal. Et d'autres qui valaient mieux traduire, je pense. Après, c'est. Oui, complètement. Les goûts et les couleurs, ça. Et du coup, oui, en même temps, heureusement qu'ils ont gardé Ultramarine, c'est qu'ils n'ont pas fait grand trou. Oui, non, mais voilà. Non, mais j'ai envie de dire. Mais je pense que c'est surtout symptomatique de l'époque où tu as connu l'ensemble. Ouais. Ouais, est-ce que pour vous, l'Eto, c'est une vraie armée ou pas? Oui. Oui. Oh, les faux culs de V2. Non. À l'époque, ils étaient en train de dire l'Eto, ça n'existe pas, c'est un scandale, c'est plus pour attirer les gamins. C'est marrant parce que ça m'amène à un truc, ça. Alors. Il y a deux types de V2istes. Il y a ceux qui vous diront que les Eldar Noirs n'ont jamais existé à la V2, donc ça ne mérite que le feu. Ni les Eldar Noirs, les Eldar et tout ça, n'en parlons pas, et ils restent sur leurs règles. Et c'est tout à fait louable, les mecs, ils jouent dessus. Les Marines tactiques avec marteau tonnerre, ça arrive. La liste est longue. Maintenant, si on fait ça et qu'on reste sur ce qu'on a et ce qu'on a eu à l'époque, on joue avec ce qu'il y a et on risque d'en faire le tour à un moment donné et de perdre la possibilité de jouer avec soit des nouvelles unités soit des nouveaux codex, ce qui est complètement con, alors que le jeu il a été fait, et certes assez complexe, mais il a été fait et dimensionné pour pouvoir adapter, convertir et ajouter plein de trucs. Donc pourquoi s'en passer? Et justement, c'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que aujourd'hui, il n'y a pas des choses qui vous manquent en jouant à la V2? Est-ce que vous vous dites pas, tiens, j'aimerais bien jouer des Eldar Noirs. Ouais. Oh, putain, j'ai fait Actor Studio là. Tiens, j'aimerais bien jouer des Eldar Noirs. C'est pas une perte. Et, comment vous l'intégrez en fait dans votre vous l'intégrez? Tu prends pas si bien dire. C'est que on se tient au courant de ce que Games Workshop fait. On se tient au courant aussi de ce que font les autres fabricants de figurines. Parce que je me permets juste un. Ils se tiennent au courant. On leur a appris il y a un quart d'heure que les sœurs de bataille plastique étaient annoncées. Oui. Mais vas-y. C'est ça. Faites les malins. Faites les malins et vous sortez de bataille. Oui, non, mais quand ça sort, on voit que ça sort. On regarde aussi les gammes alternatives qui peuvent exister pour d'autres jeux. Et quand on voit un truc qui nous plaît, on l'adapte. On crée les règles pour ça. Et je vais laisser Bad Cop en parler parce que voilà, il vous montre une de ses œuvres. Donc le Codex Eldar Noir, pour le citer, existe puisque je l'ai créé. Alors, j'étais certainement pas le seul à créer des codex en V2 parce qu'à une époque, tout le monde les créait pendant la V2 et après. Et je me suis dit un jour, pourquoi pas jouer des Eldar Noirs. Il y en a pas, certes, mais c'est les cousins des Eldar, c'est relativement fluff. En V2, il y a eu une tentative de liste, avec le Black Codex, le très sain Black Codex. Il y a des pirates qui existent, hein, si je me trompe pas, Wolf. Loué soit le Black Codex. Et là, par contre, je vais te contredire, ce n'est pas dans le sanctifié Black Codex, c'est dans le Codex Eldar qu'il y a la liste des pirates. Ingvar, tu comprends ce dont il parle?
Je comprends rien. Le Black Collection. Est-ce que vous pouvez expliquer au plus jeune? C'est réservé c'est en lien avec le Black Album, est-ce que c'est ça? Très bien, ça aussi, très bien. Elle est bonne, cette blague, bravo. Esthétiquement, ça pourrait. C'est, ça ressemble. Mais en fait, alors, moi, ce que je comprends là. C'est vrai que la V2, c'est aussi triste que Nothing Else Matter. Voilà. Moi, ce que je comprends dans tout ça, c'est qu'en fait, vous jouez pas à la V2. Vous jouez avec un système. Avec le système de la V2. On joue à Warhammer 40K avec Monsieur un Précis, jeu attention. Qui a un système qui n'existe plus aujourd'hui. Enfin, qui n'est plus vendu aujourd'hui. Qui n'existe plus, qui n'est plus vendu aujourd'hui. Non, mais on joue à Warhammer 40K. Mais ce que je veux dire, c'est, voilà. C'est comme tu disais tout à l'heure, que en fait, vos codex V2, vraiment, vous ne les sortez même plus parce qu'ils sont, ils ont tous été réadaptés, modifiés, les règles, etc. Il y a tout qui a été... Alors, attention. Ils ont été retranscrits. C'est pas exactement ça. Sont toujours les mêmes. On a, c'est une question sur la forme. On ne sort plus nos codex parce qu'on les a sous recompilation PDF, mais qui respecte stricto sensu à la virgule près tout ce qui était dans les règles officielles de la V2. Mm-hmm. D'accord. Par contre, en fait, on a ajouté des choses. On n'a pas trituré les règles. On a fait quelques tentatives à une époque. Pour justement créer un système avec des activations alternées, etc., qui marchait pas trop mal, mais c'est moi qui l'avais pondu, mais on n'est pas allé plus loin. On a adapté certaines règles, mais à la marge, sur les fameuses missions qu'on a à faire en cours de partie et quelques autres bricoles, mais vraiment à la marge. On joue toujours avec les règles stricto sensu officiel. Par contre, on a complété. Et quand je dis on, c'est toute la communauté. Qui compte environ 12 personnes. C'est ça. Dont un chien, un hamster et puis un raton laveur. Voilà, elle était gratuite. 14. Oui, mais. Oui, bah on a. Mais quand tu dis 14, tu parles de l'âge moyen des joueurs Space Wolf ou... Oh, mais ça c'était nul par contre. Non, c'était. Non, moi j'aime bien. C'était juste pour illustrer le fait qu'on n'a pas besoin d'être nombreux pour être géniaux et créatifs. Et bourrin. Et aussi. Alors. Non, alors ça, je suis d'accord, par contre. Voilà, pour faire une aparté un peu plus sérieuse et rétablir les choses. Quand est sortie la V2, donc est sortie une boîte avec un livre de règles, un livre intitulé l'Arsenal. Oui. Qui détaillait tout le matériel, un livre intitulé Le Codex Imperialis qui détaillait les différentes unités, les types de troupes, et le saint et sanctifié Black Codex qui était un tout petit fascicule noir et blanc avec toutes les listes d'armées pour les figurines qui existaient à l'époque. Et il y avait à peu près tous les codex d'époque. Voilà. Je savais pas qu'il existait celui-là. Voilà. Non, il n'y avait pas tout dedans, mais il y avait déjà énormément de cojoules. Bah, c'est d'ailleurs le seul endroit où on pouvait avoir des squats. Et c'est le seul codex squat qu'on a dans les mains. Officiel, bien entendu. Ouais, après, il y a eu de l'Inquisitor, il y a eu d'autres bricoles, mais. Voilà. Après, sont sortis en codex officiel Space Wolves, Eldar, Ange de la Mort qui traite des Dark Angels et des Blood Angels, Ultramarines qui traite des Ultramarines, c'est tous les chapitres Codex. Orc, Tyrannide, qui recouvre aussi les Sect Jetstealer. Chaos, qui recouvre l'Espace Marine du Chaos, les Légions Démoniaques et les Sectes du Chaos. Sort de Bataille. Et Assassin. Et Garde Impériale. Ah oui, les GI, ouais. Et Garde Impériale, tout à fait. Voilà. Assassin, c'était un codex ultra cher avec 4 figurines dedans. Il y avait 4 assassins dans le codex et dont 3 étaient déjà diffusés dans un White Dwarf, donc très peu d'intérêt. Voilà, ils en avaient rajouté un qui était injouable et c'était pour faire vendre le codex. Un peu ça. Bref. Oui. Ça, donc, c'est le corpus officiel. Alors, qu'est-ce qu'on a rajouté à tout ça? Il y a eu le codex Dark Eldar de Bad Cop. Il y a un codex squat qui existe, qui a été pondu il y a 4 ou 5 ans. Il y a un codex Harlequin qui a été, je crois, sorti par Patatovich, qui a remis beaucoup de choses qui étaient dans les Rogue Traders dedans, de façon à étoffer la liste d'armées. Il y a
un codex, un mini codex Iron Warriors qui a été créé par un de nos copains joueurs pour son armée d'Iron Warriors, pour typer un peu l'armée. Il y a un codex Tau qui existe, je ne sais plus qui l'a Ah fait oui, ça. celui-là, C'était mais à l'époque il y a V5, je crois, une belle. ou même V3, non? Ouais, mais une belle tentative pour faire un truc complet, mais je j'ai pas souvenir de l'avoir vu sur une table, sur les trucs où on allait. Et de mémoire, c'est tout. Mais ça fait déjà pas mal, hein. Necron, Aujourd'hui, il y a je eu me aussi. permets de... Non. Non? Enfin, Il je y a dis eu des non, et c'est pas pour rien, tentatives. c'est un peu le cri du cœur. Il doit y avoir quatre figurines qui sont profilées dans un White Dwarf pour la V2. C'est la première Voilà, apparition de voilà. Necron. Alors, oui, dans un des derniers White Dwarf consacrés à la V2, il y avait un embryon de liste d'armées pour les Ouais, c'est un Necrons. embryon. Mais il y a le Seigneur, le Destroyer et les guerriers et les scarabées, Après, quoi. C'est tout. le gros souci qu'on a avec ça, c'est que vu les points qu'il fallait poser pour avoir un guerrier Nécron et le reste, putain, c'était un coup à jouer à 1 contre 2 contre du Space Marine, quoi. Donc, je l'ai jamais trop senti. Ça mériterait peut-être de s'y pencher, mais honnêtement, voilà, c'est un peu le parent pauvre de la V2, on va Voilà. dire, le Nécron. Hein, c'est. Ouais. Alors d'ailleurs, maintenant que j'y pense, dans les codex officiels, j'ai cité le codex Oui, tu l'as sort de cité, ouais. bataille. Ouais, voilà. Et alors, dans les White Dwarf, il y avait eu donc un embryon de liste Necron, et il y avait eu une liste d'armées complète pour la Légion des Ah oui, damnés, il y a ça aussi, au ouais. moment Et pas des moindres. où était Ouais. sorti le sergent spécial là, pour les 20 ans de D'ailleurs, Gettysburg, il était c'est les plus fort. Marines Avec le les crâne plus dans la chères. main, là. Ouais, c'est Ouais, Centurion, Centurius, ouais. Centurius, ouais, je crois, ouais, un Centurius, truc avec comme ça. l'Animus, je sais plus Ouais, quoi. C'est un truc ouais. assez sympa. Enfin, Ouais, c'est un voilà. épouvantail, ce truc-là. Tout le monde en a peur parce qu'il peut vous piquer une unité et la transformer en Légion des damnés. Et sinon, c'est un sergent tout à fait logique, si ce n'est que c'est un vétéran et qu'il est un peu plus balèze. Et en général, on le tue tout de suite quand on a une trouille phénoménale. Surtout qu'il se téléporte dans le Ouais, dos. alors que Mais alors que dans alors que les dans faits, les voilà, faits, quand il arrive à tirer ça, on a un collègue qui joue ça au V2D, on adore ces figurines. Ils ouais. sont souvent en sous-nombre parce que en points, c'est extrêmement cher. C'est 39 points le Space Ouais, Marine, alors qu'un c'est Space Marine en spam. V2 fait 30 points. Donc ça vous dira peut-être pas grand-chose, mais 9 points de plus, c'est quand même énorme, et ça vous fait jouer encore plus en sous-nombre que ce qu'ils doivent être. Ils sont immunisés psychologie, ils ont un profil qui est supérieur, ils sont vraiment costauds, enfin costauds en CC et en CT. Maintenant voilà, ça reste des armées pas faciles à jouer, parce qu'on est en sous-nombre, parce qu'on contrôle pas où on va, parce que la téléportation est très fluctuante au niveau du placement, et voilà, mais ça reste fun. Après, moi, il y a un truc que je veux bien reconnaître aux joueurs V2, c'est qu'ils se sont beaucoup impliqués dans la création de nouvelles choses et dans la création de choses pour la communauté. Mais c'est bien la seule, hein, parce que le reste, il n'y a rien à Bah, en garder. fait, on s'auto-suffit. À un moment donné, on s'est dit, on ne passe plus par Games Workshop parce que bah, ils nous ont laissés, donc on les laisse aussi et on se débrouille dans notre coin. Alors, on se débrouille parce qu'on est obligé, parce qu'ils créent plus rien. Donc derrière, il faut qu'on convertisse, qu'on se démerde et qu'on essaye de faire partager aux autres Bah joueurs ce non, qu'on fait. attends, c'est pas tout à fait ça. Ils ont créé une nouvelle figurine, on a fait que se les approprier Maintenant, oui, et mais un peu moins dans le passé. créer les règles qui vont avec. Et puis quelque part, c'est une bonne partie du kiff Donc en aussi, fait, hein. pour vous, mais c'est la première chose qui est notée dans tous les livres de règles, hein. C'est 40K, c'est votre jeu, vous l'adaptez comme vous voulez. C'est pour ça que moi je trouve ça bien. Bon, à part que c'est en V2 qu'il y a des Space Wolf, mais ce que vous faites, je trouve ça bien parce que c'est vous appropriez vraiment une version, et moi c'est ce que j'aurais aimé faire avec la V5 si j'avais des gens qui m'avaient suivi. Parce que c'est la version qui m'a le plus plu dans la manière de jouer. Et aujourd'hui la V8. Même si mon avis tend à changer dessus, parce que bon, voilà. Mais aujourd'hui, la V8, c'est pas forcément la version qui va me plus plaire à jouer. Je reconnais d'énormes qualités, je reconnais des petits défauts. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même moins de gens aujourd'hui qui font des choses qu'il y avait à l'époque de la V2. Ouais, non, Alors, à ça c'est l'époque de la clair. V2, il y avait Alors. aussi le fait que il y avait tout ce côté, oui, rôliste, il n'y a pas beaucoup de choses qui sortent, démerde-toi un petit peu si tu veux faire des choses Complètement d'accord. qui forcément Bah, sont c'est pas. un peu la première chose qui nous vient à l'esprit, hein. Effectivement. Là, c'est très clé en main maintenant. Bah,
Oui, ouais, mais ça correspond à l'attente Ouais. de la clientèle. Mais en fait, pour vous, Games n'est juste qu'un fournisseur de green. Oui, et oui, complètement. Et je dois ajouter aussi qu'il y a d'autres systèmes créés par Games Workshop à l'époque qui aujourd'hui sont portés par la communauté et n'ont plus besoin de l'éditeur. Blood Bowl s'est démerdé tout seul pendant très longtemps et s'est même plutôt développé, pour ce que j'en ai compris. Necromunda a vécu aussi tout seul pendant un bon moment, bien qu'il était supporté par Specialist Game, de mémoire. Et Epic, d'un côté, Epic, alors aujourd'hui, pour l'échelle 6 mm, donc le système Epic, il y a deux grands systèmes de règles. Il y a le système Epic Armageddon qui a été porté par Games Workshop, par Specialist Game à une époque, mais qui aujourd'hui a été largement repris par les joueurs et les communautés de France et de Navarre, parce que c'est très international, et se développe tout seul. Et puis le système de règles auquel je joue, moi, c'est le système NetEpic, qui a été une évolution des éditions de l'époque, des années 90, qui s'est fait sans absolument aucune intervention du Games Workshop, et qui va très bien, merci pour elle. Donc, on n'est pas, et de très loin, la seule communauté de joueurs actifs. Je crois que dans Warhammer Battle, il y a les gens chez Oldhammer aussi, qui ont fait évoluer les règles de la V6 de Warhammer, pour la mettre à leur goût et en faire une version un peu universelle. Donc ça montre bien que la création, elle est partout. Ouais, après, enfin. Alors, Bad Cop, tu voulais dire un truc parce que là, je vais m'énerver, donc je vais rien dire. Bon, bah, tu t'énerveras après moi. Oui, c'est pour ça. Vas-y d'abord. Tant que les gens sont je pas encore juste dans le contexte parce que où nous, on a commencé le hobby où on n'avait pas beaucoup de matos fournis par l'éditeur. C'est-à-dire. On avait des codex, il y avait des personnages principaux dans les codex, des personnages spéciaux, comme, pour pas citer les Blood Angels, Dante, Mephiston et compagnie, et il y avait systématiquement dans un codex un ou deux personnages qui n'existaient pas en figurine. Mm-hmm. Déjà, on avait des décors qui étaient des bouts de carton, quand on arrivait, on chopait, imprimé, ou des bouts de, ou simplement des bouts de plastoc à droite à gauche, enfin, on se démerdait. Il fallait se débrouiller à l'époque, on n'avait rien. Et si je regarde aujourd'hui, si on avait commencé le hobby aujourd'hui, putain, on aurait mis un fric démentiel. Pourtant, on achète des trucs, hein, on achète des décors encore, il y a des trucs qui font vraiment envie. Et il y a vraiment tout aujourd'hui de disponible. Tout est disponible, c'est et c'est bien, hein. Moi je bave devant les décors 40K, et d'ailleurs on s'est acheté une table Rims of Battle avec Wolfie, c'est vraiment chouette en termes de mise en place, d'immersion, en termes d'immersion, ouais. c'est quelque chose, ces trucs qu'on n'avait pas avant, la table verte avec les collines en polystyrène, je peux plus y voir ça. D'ailleurs, j'ai jamais trop pu y voir. Je suis désolé. Les figurines avec des touffes d'herbe sur le socle, en 40K, qu'est-ce que ça vient foutre là? Le sol est vitrifié, les mecs ils se baladent des coups de placement dans la gueule, ils puissent aussi en avoir. Moi j'avais une question très importante, c'est que V2, tout ça, mais est-ce que... Oui, vas-y, pose-la. Pose-la, j'ai pas osé la poser. Est-ce que vous peignez le bord de votre socle en vert gobelin? Mais oui, ce mec est un héros. Ah, je le sais maintenant, je le sais qu'il y en a un qui aime pas ça. Moi, je préfère crever plutôt que peindre le bord du socle en vert, parce que je le fais en noir déjà, point barre. Mais bon. Alors, moi j'ai un snobisme très particulier. Ah oui, lui c'est pire encore. Oula, au secours. Ouais. C'est-à-dire que moi je déteste quand je joue sur une table, on va dire, campagnarde, je n'aime pas que mes figurines aient un socle avec de la lave dessus, et inversement quand je joue sur une table de urbaine ou autre, je n'aime pas que mes figurines aient des touffes d'herbe. Donc tu as des socles transparents. Donc moi je mets des socles exactement. Voilà. Ça y est, V2 Epic Space Wolf socle transparent. Ah, complètement, il n'y a plus rien à récupérer. Ah, il est cuit, hein, il est cuit complet lui. Non, mais moi ce que je fais maintenant, c'est que les socles, je les imprime en fait maintenant. J'ai décidé de déjà je sais pas socler, j'ai horreur de foutre de la colle au pied des figurines et de balancer ça dans du gravier. Donc en fait j'imprime mes socles avec des textures industrielles et je les peins et point barre. Je me fais plus chier. Mais justement, on parlait de cette petite
pic de socle vers gobelin, qui est très représentatif en fait de l'époque, de l'image des gurines de l'époque, mais également aussi de la dynamique qu'elles avaient, de la position qu'elles avaient, très, très figée, très droite. Très statique, ouais. Très statique, merci. Mais est-ce que ça vous fait pas envie tout ce qui sort maintenant ? Voilà, on parlait des Dark Angels au début parce que c'est ma première armée. Il m'en reste pas grand chose parce que j'ai tout revendu, sauf les personnages principaux. Mais toutes mes figurines V2 de l'époque, de sortie de la boîte avec le bolter en travers, clipsé, machin, ça j'ai plus. Ça va peut-être faire bondir des aficionados de la V2, mais oui, ça fait envie et j'en ai acheté. Et oui, et depuis la V5, j'en ai acheté plein, mais Blood Angels, il n'y a absolument rien de V2 dedans, si ce n'est les personnages qui n'ont jamais changé d'ailleurs. Enfoiré de gérer, ils auraient pu sortir des nouveaux Dante, des nouveaux Mephisto quand même, hein. Bande de crevards. Mais sinon, j'ai tout plein de trucs nouveaux. Mes Dark Eldar, c'est des Dark Eldar V5+. Voilà. Les anciens donc, V3, je les aime pas. Et également sur les véhicules, tout ça, parce qu'en V2, il n'y avait pas de volant. Il n'y en avait même pas en V3, je crois, d'ailleurs. Ils n'avaient pas de moteur, les véhicules. Ils avaient un élastique. Mais donc, du coup, ça aussi, vous les avez adaptés, parce que je vois derrière toi The Storm Raven. Ah bah oui, par contre, j'ai aussi des chars V2 type Rhino, Predator, etc. Mm-hmm. Ce que j'essaie de faire, et puis c'est pareil pour toi Wolfie, et puis pour les collègues, on essaie dans la même armée de ne pas avoir deux chars d'une version différente. Ou on tape tout en V5+, ou on tape tout en V2. Voilà. Sinon exactement. C'est moche. C'est-à-dire, de mon côté, j'ai mon armée Space Wolf, elle est quasi entièrement V2, voire même Rock Trader, parce que j'ai quelques figurines Rock Trader dedans, y compris au niveau des véhicules, Rhino, Predator, Land Raider. Voilà. Après, les armées que j'ai acquises plus tard, en particulier le Chaos, Garde Impériale, elles sont... ma Garde Impériale, j'ai une Garde Impériale de Talarn, donc qui est entièrement, qui doit être V3+, ou V4+, je sais pas, mais qui est entièrement en figurine de Talarn. En toute la piétaille, etc. Et puis les véhicules. De mémoire, les kits de la Chimère et du Lehman Ross n'ont pas beaucoup changé. Si on met un de maintenant avec un de la V2, je sais pas s'il y a beaucoup de différence. Non. Je pense pas. J'ai rajouté une Valkyrie pour laquelle, comme Bad Cop a créé ses règles pour Storm Raven, moi j'ai créé les règles pour la Valkyrie. J'ai les variantes de Lehman Ross par rapport au Tourelle Forge World, au truc qui existait, de trois choses converties, etc. Donc, pour répondre à ta question, on s'approprie les figurines de maintenant, en essayant d'ailleurs, comme disait Bad Cop, de garder une cohésion sur les, ne serait-ce que sur les échelles et puis les styles. Donc oui, on a de tout, de ce qu'il y a de plus récent, voire à ce qu'il y a de plus vieux. Donc, quand tu disais que tu avais une armée, par exemple, tes Space Wolf qui était carrément en V2, voire Rock Raider, tu parles au niveau des gurines en elles-mêmes, pas forcément des règles. Oui. Ah bah, si, elle suit exactement Space Wolf V2, puisque c'est Shadow de Games Workshop, c'est normal de le suivre. L'exemple était con, mais... Non. Ouais, alors, en fait, je crois que je vais même plus continuer ma... Je vais même pas me reprendre, c'était affligeant. Et voilà, tu l'as vexé. Le chef-d'œuvre de Games Workshop. Le Codex Space Wolf V2, non mais... Ah, tu parlais du Codex Space Wolf. J'ai cru que tu parlais des urines. Oui. Ah ouais, non, là par contre... Tu l'as repris, ça y est. Non, il parlait du Codex. Non, alors j'ai pas tout entendu, non mais alors ça va. Ça va. Non, c'est vrai qu'il était, il était joli ce codex. Non, je pensais que tu parlais juste des gurines. Là, j'aurais trouvé ça affligeant. Bref. Mais sans déconner, du codex Space Wolf, vous venez tous. Hein. Je vous prends tous à part. Tous les Space Wolf, là. Tous. Non, mais si tu veux, en bonus à la fin, je vais dire du mal d'un truc chez les Space Wolf. T'inquiète pas. Du mal d'un truc. Oui, mais ça va être un gros truc, à mon avis. Hein. Si. Il faut une exception pour confirmer la règle. Il est vrai que mon armée Space Wolf aujourd'hui, sur une table, et d'ailleurs ça fait des années que je l'ai pas sortie parce que j'ai d'autres trucs, mais elle ferait tâche. Parce que... Ah non, pas du tout, c'est que je ne veux pas...
je veux pas dégoûter l'adversaire. Et c'est vrai que elle fait tâche, surtout en termes d'échelle, et puis aussi en termes de pose et de dynamique. Et encore, c'était pas les pires, hein, les Wolves. Hein. Quand on a que, si on a que de la figurine spécifique Space Wolf, les sergents, etc., étaient assez réussis. On reste dans leur pose statique. Les longs crocs sont assez jolis aussi, pour connaître. Maintenant, c'est surtout un problème d'échelle, parce que tu mets un Terminator plomb de l'époque à côté d'un Marines tactique, sans même parler des Primaris, mais d'un Marines tactique de maintenant. Je crois que j'ai un exemplaire d'un des personnages les plus récents, c'est Lucas le Trompeur, si je dis pas de bêtises. À côté des autres sergents, il est quasi hors échelle. Il fait une tête de plus ou pas loin. Ça, c'est aussi un problème où on a été confronté, hein, parce que si on a des vieilles armées qu'on veut réachalander avec du nouveau, c'est assez compliqué vu l'échelle. Ouais. Donc, il vaut mieux se baser sur des nouvelles figurines et de se monter une armée, et quitte à en avoir deux armées de Space Wolf ou deux armées de Boutan Joss, ça séparait le truc. Sinon, c'est. C'est moche. Oui, bah oui, hein, c'est, non, on ça peut pas avoir. Pas. D'ailleurs, digression rapide, c'est pour ça que ça m'a toujours fait un peu halluciner ces conneries de Primaris, quoi. D'où ils sortent un fluff, des entrées spéciales, machin. Bah voilà, on a créé des nouveaux Space Marines, nouvelle échelle, tout ça. Ça vous plaît, c'est bien. Ça vous plaît pas, allez vous faire foutre. Fin de l'histoire. Comme ils font depuis 30 ans, quoi, putain. Ouais, mais c'est comme depuis 30 ans, à chaque fois qu'ils veulent réinventer un truc, ça sort un peu du chapeau et puis ta gueule, c'est magique. Y a d'autres univers qui sont dont l'évolution est vachement plus réfléchie, plus cohérente, sans avoir à rajouter une couche d'extraterrestre ou une couche de pouvoir. Vous parlez d'une boîte qui a une stratégie de vente et quand on ne sait plus comment vendre du Space Marine, on sort un nouveau truc, on le met dans une boîte de base avec les règles et on fait la vente du siècle. Et on fait péter les scores. C'est tout. Mais ils sont obligés, parce qu'il y a des ayatollahs qui continuent à jouer avec leur truc d'il y a 20 ans. T'imagines, pour une boîte? Ouais, sauf que... Si vous êtes la mort des entreprises, vous voulez la mort? Vous voulez le chômage? Tous les petits Anglais là qui travaillent dans les usines, vous voulez que c'est au chômage? Je pense qu'on leur a acheté quand même des trucs, hein, directement, parce qu'on n'achète plus directement, Pas assez, jamais assez. Faut pas abuser. Ouais. C'est donc à un moment donné, il y a un problème de place pour le stockage. Ça c'est qu'une excuse. C'est vrai que ça commence à faire un problème. Parce que là, ce que j'ai derrière moi, il n'y a rien quasiment, hein, en réalité. Parce que tout est dans des armoires, boîtes, valises, etc. etc. Ça prend de la place. Mais bon, je suis pas le pire. Wolfie, il en a encore plus que moi. C'est affreux. C'était un petit message subliminal pour ta femme, c'est ça? Ça marche pas. Je vous rassure. Ça marche pas du tout. Ouais. Bon, les primaristes, vous y verrez pas en V2. Parce qu'on sait tout simplement pas quoi en faire. Tout simplement. On va pas être méchants. Ils sont jolis, ils sont trousquels, ils sont comme ils veulent. Ils sont hors échelle si je ramène ça à du 28 mm. Cela dit, on sait pas quoi en foutre. C'est ni du Terminator, ni du Vétéran, ni du Compagnie de la Mort, ni du Damné. On sait pas ce que c'est. Voilà. On sait pas comment le classer. Pas d'idée. J'ai fait simple, je me suis refait une armée de Space Wolf en trousscale. Et puis mes Primaris, je les joue comme des griffes sanglantes ou comme des chasseurs gris ou ce genre de choses. Bah oui, ils étaient déjà parfaits à l'origine, il n'y a pas besoin de rajouter des Primaris. Alors là, les gens l'auront pas entendu parce que j'aurais coupé les 10 dernières minutes, mais ça fait 10 minutes que ça parle que les Space Wolves sont magnifiques, mirifiques, fantastiques. On va faire un truc, on va te rassurer un petit peu. Non, mais pour sortir des Space Wolves, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le V2D? Parce que tu en as parlé pas mal depuis avant. Alors, le V2D, c'est un truc qui a été inventé par le groupe de joueurs basé autour de Carpentra, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils organisaient une mini-convention, ça a dû durer jusqu'en 2012 ou 2013. Ils sont morts de vieillesse. Pas du tout, ils ont arrêté pour différentes raisons, en particulier raisons de la vraie vie, on va dire. Mais il y en a un qui recevait chez lui un week-end par an les joueurs à qui il avait l'habitude de jouer, puis tous ceux qui souhaitaient venir de toute la France. Donc c'est à cette occasion que moi j'ai rencontré
Patatovich, le script de Taran, et puis quelques autres, et pour jouer, boire des bières pendant 2 jours. Deux jours et demi. Bah, c'est vrai qu'à organiser, c'est pas un truc facile, on comprend aisément qu'à un moment donné. Mais c'était, ouais, voilà, mais c'était pas un truc facile à organiser, il y a de plus en plus de monde, parce que mine de rien, ça avait son petit succès. Mmh. Et puis, du coup, bon, les raisons, je veux pas en parler plus parce que je sais pas pourquoi ils ont un peu arrêté. Toujours est-il que nous, par contre, on en a un de notre groupe qui a pris le relais et qui organise un V2D lyonnais tous les ans maintenant depuis 3 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Il est encore salé. On doit faire à peu près ça. Voilà, au sud de Lyon, on est un peu moins nombreux, mais on a ceux du sud qui viennent. Je crois que cette année, il y en a un qui descend de Paris. Et, on vit notre vie de vieux croulant alcoolique. Avec des tapis verts en herbe statique. Oh, au secours. On en a un. on en a un. Et on sort les ruines en carton et le bunker en carton de White Dwarf parce qu'on doit en avoir 4 ou 5. T'as oublié le Trade 9 Orc en carton aussi. C'est important. Il est important. Ouais. Pour histoire de conclure, moi, un truc qui me. C'est pas qui me choque, mais. Qui te tarabusque. Ces vieilles versions. Qui me tarabusquine. Toutes ces vieilles versions. Voilà, le Oldhammer, les anciens Necromunda, les anciens Epic, les anciens Blood Bowl, les Inquisimunda, les 9e âge aujourd'hui avec Battle. Il y a un effet logiciel libre. Il y a un côté très Linux où on va t'expliquer que Gen 2 9.4.3.2.1, c'est pas du tout la même chose que Gen 2.9.4.4.1 parce que c'est pas du tout pareil, il y a une grosse différence, enfin voilà. Il y a un côté où ces communautés, et c'est toi Wolfes qui en parlait avant sur justement ce qui était tous ces vieux jeux qui étaient supportés par la communauté. J'ai l'impression que je vais me faire des potes moi. J'ai l'impression que ces communautés se regardent vachement le nombril et essayent de se donner beaucoup d'importance. Enfin, quand tu regardes aujourd'hui, ça se voit surtout sur le 9e âge où ils essayent de faire un battle V9. Parce que la V8, voilà, la V9 s'est transformée en Age of Sigmar. Ils essaient de faire ça et ils expliquent que c'est eux qui font le vrai jeu et ils en parlent partout, t'en entends parler tout le temps. Enfin, tu parles d'un truc qui a un vague rapport avec 40K, ils t'envoient un message du genre, tu veux pas parler du 9e âge? Eh, parle-en, c'est vachement bien, parle-en. Moi, toutes ces communautés qui supportent des jeux et qui expliquent que c'était mieux avant, ça me dérange parce que il y a un côté où tu regardes énormément par le prisme de nostalgie et par le cercle de joueurs que tu as. Alors ça devient vachement ça. Ils me regardent tous avec des yeux, mais c'est le Collège de France, là. Je suis jugé. Tu vois, il y a un côté vraiment où on t'explique que voilà, Necromunda, c'était mieux avant, c'était suivi par la communauté qui s'est investie, qui a donné de sa personne. Non, voilà, vous avez voulu jouer à votre jeu, vous avez voulu continuer, c'est très bien. Et là-dessus, j'ai beaucoup de... Et c'est là où le Collège de France s'arrête, parce que j'ai perdu mes mots. J'ai beaucoup de sympathie pour la V2 et pour les gens qui continuent à jouer à V2 et qui ont fait des choses pour la V2 et pour la communauté en général. Mais j'aurais pas du tout cet aspect que vous avez où vous la voyez comme une version qui est très bonne. On va pas dire parfaite, mais très bonne. J'y ai pas joué à l'époque, donc ça aide aussi énormément. Moi, il y a des versions où je vais volontairement ou involontairement, mais je sais que je vais faire abstraction des défauts qu'il y a. J'ai l'impression que toutes ces communautés, V2 y comprise, il y a cet effet-là. Cet effet où on regarde et où si à un moment, on n'était pas resté dans cette version, on aurait continué et on aurait évolué. C'est comme le mec qui est encore à 35 ans chez ses parents et qui se dit est-ce que ça vaut le coup que je déménage? Alors là, je continue à parler parce qu'ils me regardent tous, il n'y en a aucun qui répond, donc c'est un vrai plaisir, hein, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais sur ce côté, peut-être que si en 2000, vous seriez passé à la V3, aujourd'hui, vous diriez, t'as la V8, elle est quand même vachement bien, et la V2, c'était quand même bien de la merde. Et autant, je m'en fous que vous jouez à V2 ou pas, je veux dire, c'est absolument pas une attaque là-dessus, mais c'est juste quand j'entends dire que Oldhammer, c'est vachement bien, c'est supporté par la communauté, enfin, tu vois, tout ce côté quasiment militantiste
me dérange un petit peu. Alors, attends, bon, stop. Alors, je suis pas du tout d'accord avec toi. Stop. Alors, avant que t'attaques, je vais dire deux alors, c'est mots bien parce que tu défonces tout. Et c'est la fin de l'épisode. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Juste un truc, c'est que, alors, loin de nous de dire que la V2 est la meilleure de toutes les versions et que on est des vieux cons qui disent toute la journée que c'était vachement mieux avant et que ces putains de jeux nous emmerdent. Pourquoi on joue encore à la V2 ? C'est parce qu'on se fait encore plaisir et on se marre beaucoup, principalement. Après. Faire une communauté, aller dire sur les forums, allez tous vous faire foutre avec vos nouvelles versions, supporter la V2 c'est bien mieux que machin compagnie, on n'est que 4 aujourd'hui à jouer autour de Lyon, il y en a une poignée aussi qui joue dans le sud, une poignée vers Paris, point barre, la communauté c'est peau de chagrin, on va pas renverser le monde et encore moins le voir faux, d'ailleurs on peut même pas y mettre un pied sans se faire démonter la gueule, donc on y va pas. On parle encore. Non mais nous non plus, je te rassure, ça sert à rien à voir avec la version. J'ose même plus y parler dessus, si ce n'est regarder s'il y a des figurines à vendre, c'est tout. On diffuse encore des choses sur le Warmania, et voilà, ça s'arrête là. Wolfie, maintenant c'est à toi, je me cache. Non, attends, encore une fois, moi c'est pas du tout dire que vous faites du militantisme à ce niveau-là. Voilà. C'est quand j'entends dire la communauté a supporté tel jeu, enfin, tu vois, la sueur de son front, ils ont fait Oldhammer, ils ont suivi Necromunda, Epic, ils ont fait 14 systèmes de règles qui sont tous. C'est ça qui me dérange. Nous, on n'a rien fait sur la V2. On n'a rien fait. On convertit, on rajoute, mais on ne modifie pas les règles. On va pas s'amuser à faire un Black Hammer, parce que c'est ça en fait qu'ils ont fait. Ils ont fait un Black Hammer pour continuer le V5 de Warhammer tout court, d'ailleurs, ce qui est très louable. Mais on va pas se créer un nouveau système, on n'a pas le temps pour ça. On l'utilise ce qu'on a, et on joue avec, et on convertit, et on garde bien les règles, parce que sinon après on se paume. Voilà. C'est pas peine de traquer la gorge pour gagner du temps si tu sais pas normal, quoi dire. C'est normal, c'est un Space Wolf. Que j'ai raison, c'est tout. Loin de nous. Ah, il grogne, pardon. On va parler entre nous pendant qu'il parle, hein. Parce que bon, je me grattais. On veut pas savoir. Donc, loin de nous tout prosélytisme. On reste dans notre coin. Ça se trouve, il y a la majorité de vos auditeurs qui vont se dire, qui vont nous découvrir avec cet épisode en disant « Il y a encore des vieux cons qui jouent à ce jeu. » Je pense même qu'il y a la moitié. De nos auditeurs qui vont découvrir qu'il y avait une V2. Aussi. C'est pas impossible. Parce qu'ils sont un peu cons. Ils se disent qu'il y avait une V8, mais ils ont commencé à la V8. Loin de nous, tout prosélytisme sur ce truc-là. De toute façon, comme a dit Bad Cop, on n'est pas assez nombreux. On n'a pas ni le temps, ni l'énergie, ni la diplomatie nécessaire pour se mettre d'accord sur des évolutions du système, de mettre les mains dans la mécanique. Après que les gens de chez Oldhammer ou de chez 9e, je sais pas quoi, le 9e âge, tu m'as appris qu'il existait. Alors c'est dire si je m'intéresse à cette communauté-là, mais parce que surtout j'ai pas le temps et puis c'est pas le jeu auquel je joue. Par contre, faut quand même reconnaître que les gens qui ont travaillé sur NetEpic et à moindre mesure sur Epic Armageddon ont quand même fait des sacrés gros boulots, que les systèmes se tiennent, fonctionnent et que les communautés ont un mérite indiscutable sur le boulot qu'ils ont fait. Ah, je dis pas le contraire. Hein, voilà. Mais après, nous, on a pu être des intégristes à un moment donné. Maintenant, chacun voit midi à sa porte. Nous on kiffe ce jeu, on en profite bien, il nous fait rire et pour conclure je dirais que quand on a fait une petite participation aux Octogones en 2015, on avait une table V2, une table épique dans un coin et on était à quelques distances des tables V7 à l'époque. J'ai pas souvenir de les avoir entendus beaucoup rigoler, alors que nous, on s'est bien fendu la poire ce jour-là. C'est un salon du jeu, hein, Octogone, pour ceux qui connaissent pas, c'est le salon du jeu de Lyon. C'est plutôt bien fourni et plutôt sympa une fois par an. Voilà. Donc ouais, pour conclure, de toute façon, du moment qu'on a du fun, quel que soit le système, après tout. Il y a bien des adeptes. C'est beau pour dire un discours politique. J'ai pas cette prétention, mais il y en a bien qui aiment les vieilles voitures, il y en a qui aiment la vieille musique, il y en a qui aiment les vieux jeux.
les vieux systèmes plutôt, on va dire. Parce que s'il y a un truc qui nous rapproche tous dans ce truc-là, ça va être le machin constructif de la fin, attention, machin. J'ai pas encore parlé. Non, celui-là, je l'ai déjà. Celui-là, je l'ai, le machin constructif de la fin, j'ai l'idée. Et on a quand même quelque chose qui nous rassemble tous, c'est le fluff, la peinture, le montage, la conversion de figues, et puis le plaisir du jeu, quoi. Après, le système, certes, n'est pas le même, mais tout le reste, on le suit à quelques exceptions près, mais on est super content d'avoir des romans qui sortent et pouvoir se plonger dans du fluff marine et compagnie. On est super content d'avoir des nouvelles gammes de figurines avec plein d'accessoires dans tous les sens pour faire des Space Wolves qui ressemblent vraiment à des Space Wolves, c'est pas des Ultramarines décolorés. Le seul truc, c'est le traîneau du Père Noël, Logan et Leonard sur le truc flottant. Là, j'ai jamais compris. Si je comprends jamais. C'est l'offrir, c'est obligé. Hein. Papy Noël, Wolf, alors ça c'est bon ça. Moi, pour conclure de mon côté, je dirais que je trouve ça vachement bien que des gens s'investissent, non pas sous couvert de faire pour la communauté ce genre de conneries, mais pour eux, qui s'approprient complètement le jeu pour eux. Et pour continuer leur trip comme ils l'entendent, moi je trouve ça vraiment, vraiment louable et vraiment génial. Après, il y a un truc qui me déçoit quand même relativement beaucoup, et même pas relativement, mais beaucoup tout court, c'est que vos socles, ils sont pas peints en vert gobelin. Ah, au secours. Si, j'en ai bien deux, trois. Mais il existe encore le vert gobelin? Non, ça existe encore. Si, Charlie Painter. Tu vois, Charlie Painter, ça existe. Ouais. Bah voilà. Non, tout ça pour dire que on peut plus. C'est vachement intéressant de voir des gens qui s'investissent pour eux et vraiment entre eux, et c'est ça qui Non, mais de toute façon, s'investir dans son jeu au point de rester dessus et de le développer comme il nous plaît, c'est vachement bien. Je dis pas qu'il faut pas le faire. C'est juste que moi, ce qui me dérange un peu, c'est et encore là, c'est juste parce que t'avais fait la remarque avant, Wolfies, à ce niveau-là. Mais genre, j'en ai marre, j'en peux plus d'entendre parler de Net Epic, j'en peux plus d'entendre parler du 9e âge, j'en peux plus d'entendre parler de ces trucs-là. Tu vois, et c'est pas parce que ils existent, pas parce que j'aime pas, c'est juste parce que t'as toujours un groupe minoritaire, hein, tout à fait d'accord, qui va faire du prosélytisme dessus, et ça m'énerve. C'est juste ça, et puis on va bientôt passer en V9, c'est quasiment sûr, les versions sont de plus en plus courtes, et j'appréhende déjà la V8, c'était mieux que la V9. Ouais. Comme à chaque fois. Ah ouais. Donc, Après, ça m'amène une question que je voulais poser. Là, en V8, je veux m'y mettre demain matin, j'ai besoin des règles et disons de 2 ou 3 codex pour les armées que j'ai. Même pas, les index. Le ticket d'entrée me coûte quoi? Ouais, le ticket d'entrée me coûte 20 combien balles. 20 balles. Les règles sont gratos et t'achètes un index où tu as 3-4 listes d'armées. Voire même plus. Je vais dire une connerie, mais genre Imperium, t'as... Space Marine, Space Wolf, Blood Angel, Dark Angel, voilà. Autre, tu D'accord. auras Garde Impérial, Sœur de Bataille, Inquisition, Assassin, mes couilles. Tu auras 2 Xenos avec les Eldar, l'autre avec les Orcs, les Tyrannides, les Taux, je crois. Un avec le Chaos, avec tout. D'accord. Okay. Non, le ticket d'entrée n'est pas si. Pas si gros que ça. C'est nettement moins élevé qu'à une époque. Oui, clairement. D'accord. La vidéo c'est gratos, vous allez sur Taragne et tout. Qui m'énerve, ce Space Wolf. Une question pour finir ça, c'est toutes vos créations, où c'est qu'on peut les trouver? Il y en avait un bon paquet sur la partie 40K ancienne édition de Warmania. Il y a des choses qui ont dû... Alors, juste parce que... Les gens d'aujourd'hui ne savent pas ce que c'est Warmania. Oui. Ah, je te le dis parce que c'est le Warfaux en sympa. Je me demande si ça ferait pas un super titre d'épisode, ça. Warmania, le Warfaux en sympa. Ouais, c'est un peu ça, peut-être, oui. En tout cas, c'est là où on va tous, même si sur le Warfaux, il y a une section, c'était mieux avant, avec les anciennes éditions, on a mis pas mal de choses. Il l'a dit, c'était mieux avant. C'est marqué dans le Warmania, c'était mieux avant. Ouais, mais je vais pouvoir le couper et le mettre partout. Chaque phrase, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Donc on met des choses sur le Warmania, on a mis beaucoup de choses sur le Warmania, et
je sais pas si tu es là, d'un ami sur son blog. Moi, j'en ai mis un peu sur le mien. Voilà. Je vais détailler. Et mais puis, il y a... Alors, sur Taran, pour revenir encore à Taran, il y a beaucoup de choses, mais qui sont... C'est pas tel... Il n'y a pas beaucoup de non-créations. Il y a beaucoup de choses, style les Rex qui étaient sortis dans les Citadel Journal, dans les White Dwarf, dans les Inquisitors, qui était le fanzine de Armor Cast, la boîte qui faisait les Titans avant chez les Forgerons. Ouais. Voilà, et le Citadel Journal, c'était des espèces de compilations de courriers des lecteurs que Games Workshop faisait, multijeux sur plein de trucs. Quoi. Alors, il y a à prendre et à laisser, mais il y a beaucoup de choses. Et puis, moi, je dois avoir des choses, des archives que je peux rendre, mettre à disposition, d'ailleurs, de tout ça. Mais ouais, pour revenir à ça, nos créations, elles sont... Bad Cop a créé un blog il y a quelques temps. Ce serait bien, en effet, qu'on mette des choses dessus pour qu'elles soient à disposition de ceux que ça peut faire. Mais il faudrait qu'on travaille là-dessus. Mais voilà, d'où la preuve qu'on fait pas de prosélytisme. Hein, c'est qu'on a fait nos trucs dans notre coin, on les a soumis aux autres joueurs qu'on connaissait, et c'est pas les plus là. Non mais d'accord, j'ai pas dit que vous avez fait du prosélytisme. Hein. Ouais. Bon, vous m'avez envoyé un mail en disant t'es vraiment une licorne de dire que la V2 c'est de la merde, mais... Mais ça, voilà. C'est sa façon de dire bonjour. Ouais, j'ai peut-être exagéré un petit peu au niveau du mail. Oh, légèrement. Non mais j'avais trouvé ça très sympa justement d'avoir un retour qui dit ben voilà, vous dites de la merde, on n'est pas d'accord à ce niveau-là. Même si, enfin voilà, c'était pas dit comme ça, mais je trouve ça vraiment bien. Mm-hmm. Parce que bah, c'est un peu comme Arnold et Willy, tu vois, il faut tout pour faire un 40k. C'est ça, ouais, tu mettras la musique d'ailleurs. Ouais. le problème de la V2, parce que c'est un peu l'histoire du mail de Wolfie, hein, c'est qu'on souffre principalement, enfin on souffre. Cette version souffre principalement de ce que les gens en pensent et des fausses idées qui sont véhiculent au-dessus des gros a priori, ce qui est logique puisque c'est une version qui est aujourd'hui, qui a été peu jouée par les gens qui jouent aujourd'hui à 40k. Il y en a même qui savent même pas ce que c'est. La V2 pour eux, quand on parle de Rogue Trader, tiens, allez voir sur eBay, vous voyez un char de l'époque de la V2, c'est marqué char Horus Hérésie et Rogue Trader, par exemple un Predator. Alors non, c'est pas un truc Horus Heresy, c'est un truc qui était vendu à l'époque pour la V2 pour jouer du 40k, pas de l'Horus Heresy, ça n'a rien à voir, strictement rien à voir. C'est, voilà, donc ça, il y a beaucoup de mélange là-dedans, c'est ce que je veux dire. C'est une version, si on veut la défendre un peu, qui est aussi victime de certains préjugés, en partie justifiés sur... en partie justifié sur le bourrinisme de certaines unités, sur le déséquilibre de certaines phases, mais qui peut être facilement corrigé par un peu de bon sens et de bon goût. Mais c'est pour ça que je voulais que je trouvais vachement intéressant de vous avoir dans le podcast, parce que mine de rien, oui, comme vous dites, hein, c'est une version avec de moins en moins de témoins de cette époque, et au bout d'un moment, je trouve ça intéressant aussi de... Je vais dire ça, ça va avoir l'air d'impression d'être ultra présomptueux, mais tu vois, d'avoir à un moment une trace vraiment de comment c'était, vas-y, explique-nous la V2, pourquoi t'y restes, qu'est-ce qui te plaisait, sur ce genre. Tout à fait, parce qu'il y a eu plus d'une génération depuis qu'elle a été créée, et ça se trouve, l'âge moyen des joueurs aujourd'hui fait que le joueur moyen n'était pas né quand ça a été édité, quoi. En gros, ils vous traitent de vestiges, en fait. Mais... De reliques. De vestiges, ouais. Je préfère reliques. Ah, mais on l'assume. Hein. On l'assume. Hein. Mais c'est sûr qu'il y a la plupart des gens qui parlent sur les forums et qui lâchent plein de trucs ne savent pas ce que c'est la V2. Parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'y jouer. Ils n'auront jamais l'occasion d'y jouer. Personne ne leur montrera comment on y jouait. C'est une version qu'on peut pas... à mon avis, on peut pas s'y mettre du jour au lendemain comme ça en claquant des doigts en disant « Allez, avec mon pote, on va se mettre à la V2. J'ai pris des PDF. On y va, on va jouer. » C'est pas facile d'accès. Il n'y a pas 4 pages de livres, de règles. C'est assez dense. Ça a besoin d'être travaillé, d'être appris. Il y a des choses qui doivent être apprises. C'est une version qui se nourrit. Merde, il casse tout ce que je dis, j'en ai marre. Ouais, c'est bête parce que c'était beau, mais là... Bah, Space Wolf. Je vais peut-être conclure en vous disant, nous, le plus bel exemple, c'est que pour jouer, on s'est fait des fiches de liste d'armées.
D'ailleurs, c'est Wolfie qui a fait un tableau Excel au compliqué au possible à mettre en place. Mais avec ce tableau Excel qu'il a, on peut se faire nos fiches de liste d'armée où il y a tous nos escouades, tous nos commandants, tous nos chars. Et dedans, on a tous les profils d'armes. Donc, avec trois feuilles, on apprend à les farfouiller dans les livres de règles. Ouais. On a tout sous les yeux et on peut jouer de façon fluide, en fait, en connaissant les règles. Ouais, l'objectif, quand j'ai travaillé sur ce truc-là, était d'avoir une liste d'armée avec tout dessus et ne pas avoir à ouvrir les bouquins. Et je pense y être à peu près arrivé. Ça aide. Bonjour, Don Tizalen 40. C'est ça. On n'a pas assisté. Mais voilà, bon, et puis bientôt on aura Combat Builder ou je sais pas quoi là. Voilà. Bon, par contre, je pense qu'il y a une chose sur laquelle on est tous d'accord. Les Eldar, c'est des saloperies. Ça pique. C'est Tuelan qui va être content. On en a un chez nous qui joue aux Eldar. Il va nous les sortir demain. Et je suis avec. Ouais, je suis avec les Eldar. Voilà. Je vais pas m'en prendre pas la gueule pour une fois. Les Onaïs, c'est des putes. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait les Eldar. Non, ouais, c'est encore mieux parce que au moins, c'est avoué. Non, mais t'es méchant. Ah, respecte un peu les prostituées. Un minimum. Au moins, les Eldar, eux, ils assument que c'est des saloperies. Ouais. Voilà. Bon, bah écoutez, vous restez avec nous pour le tour de 44. Yep, sans problème. Avec plaisir. Bon, bah écoute, on va juste lancer le jingle et puis on revient dans la foulée. On était donc avec Bad Cop et Wolfie pour ce dossier sur la V2 et les joueurs qui sont des vestiges de cette époque. Il est mais, sympa. On va continuer un petit moment avec eux. On va continuer un petit moment avec eux parce que ils ont une chose qui est très intéressante, mis à part leur mauvais goût, c'est d'être plasturgiste ou qui a travaillé dans ce domaine-là. Et vu qu'on entend beaucoup parler actuellement de impression 3D, que ça tue le truc, machin, enfin comme d'habitude, hein, toujours des râleuses qui sont là pour faire chier, bah on va en parler pour de vrai cette fois et avoir des impressions de professionnels. Alors, les reliques ont donc un avis sur ce sujet aussi. Mais c'est propre aux vieux, ça, ils ont un avis sur tout. Alors, au niveau de la météo, vous en pensez quoi en ce moment? C'est ça. C'était mieux avant. Tu sens le mec qui s'est retenu, c'est pendant tout le dossier. Non, je vais pas le dire. C'était mieux avant. Ça y est, je décède encore une fois. Ça fait trois fois. Ma vie est assez affreux. Alors, on va peut-être placer un peu le contexte d'ailleurs professionnel, pour expliquer un peu nos backgrounds dans ce genre de dans ces industries. Je vais commencer. Donc, moi, je suis ingénieur à la base et j'ai travaillé pendant 18 ans chez des équipementiers automobiles qui faisaient des pièces en plastique. Et l'ingérolis, c'est un peu cliché quand même. Hein. Je suis pas informaticien. Ouais, mais quand même. Voilà. Donc, blague à part, j'ai travaillé sur des postes plutôt techniques, pas dans la partie plasturgie pure. Par contre, j'ai été chef de projet, responsable de projet à un moment donné. Donc, j'ai quelques notions sur tout ce qui est finance, coût des outillages, coût des moyens de fabrication, technique de conception, technique d'industrialisation, etc. Quant à Bad Cop, lui, il a un background de plus haut niveau. Oh, ça y est, tout de suite, je fonds. Je suis effectivement une relique qui a travaillé dans sa vie. Donc j'ai effectivement j'ai été mouliste. Alors qu'est-ce que c'est un mouliste? C'est quelqu'un qui va fabriquer les moules métalliques pour l'injection plastique. Donc j'ai travaillé chez des moulistes, donc je connais très bien la technique, le prix, toutes ces choses qui vont autour de ça, et depuis plusieurs années, même des dizaines d'années, je suis passé après chez l'injection, chez le transformateur, chez le plasturgiste. Donc j'ai les deux, on va dire, background. Casquette, ouais.
Voilà, la casquette de celui qui fait le moule et celui qui injecte derrière. Aujourd'hui, je suis beaucoup dans l'innovation aussi dans certains trucs, donc je suis très open dans, au niveau du boulot. Et je fais aussi de l'impression 3D depuis plus d'un an. Et j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont beaucoup déniaisé sur ce truc-là, parce que c'est complètement dingue ce truc. C'est aussi important que compliqué. Ça fait quelques années qu'il y a l'Arlésienne. Oui, oh, avec la démocratisation des imprimantes, je le fais bien, hein. Avec la démocratisation des imprimantes 3D, d'ici 2 à 3 ans, tout le monde pourra imprimer des figurines directement chez soi. Ça va être trop cool, n'est-ce pas? Est-ce que... Alors, est-ce que... il me semble que je t'avais répondu à ce truc-là il n'y a pas longtemps, où j'avais dit « bullshit ». Voilà. Voilà, ben ça suffit. Non mais c'est un truc qu'on voit depuis... ouais, moi ça doit faire 7-8 ans que je vois ça. Tu sais, les petits commentaires à base de « bientôt on pourra imprimer les trucs soi-même, ça va être trop bien ». C'est surtout ça. Aujourd'hui, si on veut imprimer quelque chose du niveau Games Workshop, on va dire, voilà, sans partir sur des figurines trop compliquées, vraiment, on va dire un Space Marines de base, en termes de coût, pour un particulier, qu'est-ce que ça représente? Et, vu que j'ai une petite idée du truc... En termes de rendu... Mais quoi. Voilà, pour vraiment avoir un rendu Games Workshop. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et pour avoir un budget moyen d'imprimante 3D aujourd'hui pour un particulier, je sais pas, on va dire 500 balles, un truc comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment d'efficace en termes de gurine, enfin, qu'est-ce qui est utilisable aujourd'hui dans le 40K? Alors, avant de dire rien, je vais essayer de te répondre. J'adore parce qu'on dirait moi au boulot, rien, pas assez cher. Alors déjà, la figurine en elle-même, si on veut s'imprimer un Space Marine, allons dans le vif du sujet. Alors, un Space Marine, c'est bien moche, tu vois, genre 2D, genre Space Marine V2. Un Space Marine, ah non, mais ça y est, je m'en vais là, je m'en vais. Non, mais là ça commence à bien faire. Wolfie dit quelque chose, frappe, je sais pas, je reprends mon marteau tonnerre. Depuis avant, il a un marteau des conneries, c'est ultra perturbant. bon, je le range. Si on veut se faire des Space Marines en 3D, on va être déjà premièrement très déçu de ce qu'on va avoir en rendu, parce qu'on reste sur quelque chose. On va parler de la dépose de fil. Il y a deux technos aujourd'hui en 3D, en impression 3D, il y a la dépose de fil et la résine. Est-ce qu'on parlerait pas d'abord de quoi? La conception, c'est-à-dire du fichier dont tu as besoin pour... Bah, je pense plutôt après. Je vais y venir, mais je vais juste balancer le vif du sujet au histoire niveau de du bien Space plomber l'ambiance au niveau des gens, c'est qui déprime tout, voilà, de suite. Moi aussi, j'en ai arrivé à l'époque, hein, je me suis dit, super, on va se faire péter une imprimante 3D et je pourrais imprimer mon armée et tout, ça va être top. Ouais, seulement, c'est dégueulasse en rendu. En fait, plus c'est petit, plus c'est compliqué à imprimer en termes de rendu, parce que faire des trucs plats comme des véhicules, ça va relativement bien. Quand on veut faire des choses un peu arrondies et complexes, avec des doigts, des choses qui sont... Parce qu'on est quand même dans le 28 mm, c'est des trucs très précis. Un Space Marine, ça a des épaulettes assez pointues, saillantes, des bords arrondis. Tout ça, c'est une imprimante 3D, c'est pas forcément sa spécialité. On va avoir pas mal de retouches à faire en ponçage derrière. Et on sort quelque chose de crénelé. Une impression 3D, c'est pixelisé. Pour dire le truc, voilà, c'est pixelisé, c'est crayonné, c'est des couches qu'on rajoute. Ça a beau avoir une précision importante, il y a un diamètre de buse qui pose une couche à un fil, ce diamètre il est souvent de 0,4 mm, et ça on peut pas y échapper, et on balance du 0,4 mm par couche successive, de 0,1, 0,2, 0,4, ça dépend. Et ça prend un certain temps. Mais un Space Marine, j'en imprimerai pas, parce que ça va être pas au standard, et même pas de moyenne qualité, ça va être pas forcément génial. Pourtant, j'ai une imprimante de compète, hein. Et pour vous dire. Mais à 500 euros, pour en revenir à ce prix-là, on n'a pas une imprimante de compète. On a une imprimante qui est pas chère, qui permettra d'imprimer du PLA, c'est une matière qui est assez commune, et biodégradable dans le temps, mais dans le temps assez poussé, on peut quand même la peindre, mais c'est pas une matière qui est super, qui a pas un rendu esthétique qui est intéressant. Les matières à rendu esthétique intéressant, c'est le polystyrène par exemple, et celle-là, avec une imprimante à 500 euros, on l'imprime pas. Il faut un plateau chauffant, il faut une buse qui monte à au moins 260 degrés, à peu près, et il faut si possible une imprimante fermée. Comme un four.
Parce que si elle est ouverte aux quatre vents, votre pièce va se décoller, va rétrécir, va prendre le froid, et vous allez rater votre impression. Je peux vous dire que j'en ai raté un paquet d'impressions. Et je suis descendu de mon arbre assez rapidement quand j'ai commencé l'impression, parce que je pensais que le moindre modèle 3D que j'allais trouver, qui était super beau, j'allais pouvoir l'imprimer, et ben, ma cache, l'impression 3D, c'est tout sauf du 3D. On n'imprime pas dans l'espace. Manque de peau, il y a de la pesanteur. Donc quand on dépose du fil avec un Marines qui a les bras écartés, bah ces bras écartés, si on met pas des supports, le fil se dépose à côté, et à la fin on a une grosse merde. On va peut-être casser aussi une idée qui peut être presque caricaturale. Aucune figurine que Games Workshop aujourd'hui vend est imprimée en 3D. Certainement pas. Quoi ? Aucune. Quoi ? Certainement pas. Ah, je suis choqué. Aucune. Tout est injecté. Mais ça, je sais pas... J'espère que personne ne pense ça, parce que franchement, voilà, si on pense qu'ils impriment et qu'ils vendent... J'imaginais que non, mais faut couper le coup tout de suite. C'est, économiquement, c'est impensable d'arriver à un tarif, et pourtant leurs tarifs sont déjà assez conséquents, mais c'est impensable d'arriver à quelque chose de rationnel industriellement en impression 3D en grande série. Et je dis que Games Workshop ne produit aucune figurine en 3D, mais aucune pièce plastique de bagnole n'est imprimée en 3D sur les pièces qui sont sur les voitures du commerce. C'est pas 1000 véhicules jour imprimant une pièce qui fait 8 ans d'impression. L'impression 3D aujourd'hui, alors pareil, moi, je parle sous ton contrôle Badcop, elle sert à faire des pièces prototypes. Elle sert à faire des toutes petites séries 10, 50 exemplaires, pas plus. Alors, un Space Marine aujourd'hui qui fait, j'en regarde un qui est à côté de moi là, 4-5 cm de haut, un truc comme ça. Mm-hmm. Si on tentait de l'imprimer, si on a un modèle déjà, parce qu'il faut avoir un modèle 3D qui soit joli, pas un truc merdique avec des tubes qui ont été modélisés à l'arrache et puis que ça ressemble à un Space Marine de loin. Alors, c'est quoi un modèle 3D? Vous savez pas ce que c'est un modèle 3D? Ben, peut-être que des auditeurs vont alors, le jeu vidéo est fait de plein modèles 3D. Pour te fréquenter un petit peu cette sphère, je vais te donner l'idée globale aujourd'hui de la chose. Est-ce que tu vois le concept de la magie? Dans Harry Potter? Ouais, bah, l'imprimante 3D, c'est un petit peu ça. Ah non, pas ça. En fait, pour beaucoup de gens, ouais, tu prends un scanner, mais un scanner, tu vois, genre une zapette de caissière. Tu scannes ta figurine et tu peux réimprimer ça facilement à côté, d'accord, avec des bouchons de coca ou de machin comme ça. Pour beaucoup de gens, d'accord, aujourd'hui, c'est ça. On part de vraiment loin, en fait. Bon, alors, ouais, bon, le scanner, ils peuvent se toucher. J'ai déjà vu des figurines, des objets qui ont été scannés. Le rendu est tout sauf lisse. Et l'impression derrière demande beaucoup de travail pour le remettre en forme, ouais. En tout cas pour le poncer. Et c'est le principal problème de l'impression 3D aujourd'hui, hein, c'est que vous n'avez pas un truc lisse qui sort. Il est crénelé, il demande un ponçage si jamais il n'est pas carré. Et encore, le dessus est généralement pas très chouette. C'est les faces verticales qui sont les plus jolies, parce que c'est l'empilement des couches. Et quand vous faites des couches fines, vous avez un mur qui est relativement sympa. Et puis vous le faites fin, puis il est joli. Par contre, dessus, ça finit, ça barbouille, quoi. Et la face horizontale, en fait, est très mal gérée. Donc, quand vous avez déjà compris ça, bah, vous vous démerdez à imprimer des planches à la verticale pour qu'elles soient jolies, quoi. Là, une question, parce que je sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le marché professionnel, existe une imprimante 3D qui a une résolution suffisamment fine pour imprimer, disons, une sphère de 3 cm de diamètre parfaitement ? Enfin, pour qu'on la voie ronde sans faire de retouches. Est-ce que ça existe seulement ? En résine, oui. Le problème, c'est que les prix sont, en termes de matière, 3-4 fois supérieurs. Ouais, mais alors, justement, l'imprimante qui fait ça, donc qui pourrait faire une figurine qui sort bonne du premier coup, d'accord ? C'est l'idée, hein. Combien ça coûte ? Tant qu'à travailler là-dedans. Bon, alors en fait, on parlait de l'imprimante à 500 euros qu'on achète chez le chinois du coin qui arrive en kit. C'est ce qui arrive le plus souvent et qu'on la monte soi-même. Ouais, on peut rigoler un peu, faire des pièces. Vous en trouvez d'ailleurs sur eBay. Il y a des mecs qui vendent des pièces en 3D à vomir par terre, tellement elles sont vilaines. Ils vendent les plans en fait en 3D. Oui, les plans de 3D directement. Ouais. Voilà. Alors, ouais. Il y a des modèles 3D qui sont très jolis en plan. Il y a des mecs qui font. J'avais vu un chaplain en armure Terminator
mais qui était ultra beau. Bon, je ne l'ai pas acheté parce que je m'en fous, le plan. Je ne vais pas m'acheter un plan pour l'imprimer après parce que ça ne rendra pas aussi bien. Mais il y a des gens qui font des trucs très beaux. Cela dit, une imprimante aujourd'hui telle que moi je peux utiliser, elle fait autour de 3000 euros. 3000 euros, vous avez une imprimante qui a à peu près toutes les options, qui passera toutes les matières que vous voulez, avec, attention, chose importante, la taille maximale à imprimer de 300 au cube, c'est-à-dire 300 mm par 300 par 300, ça fait quand même une taille assez importante, suffisante pour faire un Land Raider, la base, c'est important, c'est pas rien. Cela dit, tout le monde ne peut pas se payer 3000 euros une imprimante comme ça et l'utiliser, et puis après, bien sûr, arriver à et sortir des figurines. Et alors, le consommable, pour ce qui est des bobines, je le disais tout à l'heure, pour 700 grammes, on a des bobines qui sont entre 30 et 40 euros. 700 grammes, ça ne vous dit pas grand chose, mais avec une bobine, vous pouvez faire, allez, on va dire, un Land Raider, un Rhino et un Predator. Vous allez dire 40 euros, ah, c'est pas cher! Oui, mais il faut se payer 3000 balles d'imprimante déjà, et puis il faut foirer quelques pièces, et puis il faut avoir du temps, parce que ça, je ne l'ai pas encore dit, mais pour faire une pièce, ça peut prendre des heures et des heures. Un truc de 10 cm carrés peut faire 8 heures d'impression. Vous allez laisser la nuit l'impression. Et le lendemain, vous vous réveillez, et l'impression a foiré, votre pièce est dégueulasse, et vous l'avez tuée. Vous avez perdu la matière et le temps. Mais quand ça marche, ça prend c'est du temps. C'est marrant parce que le discours que c'est tu long. Tiens, c'est le discours qu'on peut tenir sur les aérographes. Par exemple, que c'est pas un outil magique, que ça demande du travail, qu'il y a forcément de la perte, que c'est pas parce qu'un c'est un aéro que tu auras un rendu nickel, qu'il faut quand même de l'expérience, du boulot derrière, qu'il faut foirer les trucs. Après, ce qui s'imprime le mieux, c'est les véhicules. Parce que les véhicules sont relativement rectilignes. Les véhicules Space Marines. Oui, surtout, ouais. Bon, les Dark Eldar, on va oublier. Voilà. Mais bon, d'ailleurs, j'en ai pas trouvé. Mais cela dit, les véhicules, on en trouve pas mal et ça s'imprime. Quel est l'intérêt d'imprimer un véhicule ou de l'acheter chez GV? Enfin, quel est le choix possible? Vous êtes relativement pointueux sur la qualité. N'imprimez pas, achetez-le. Sur eBay, où vous voulez, mais achetez-le. Vous avez vraiment une dent contre GV, imprimez-le, vous allez passer du fric, et puis vous allez avoir un truc qui sera relativement moyen, mais vous ferez plaisir. Voilà. Après, nos auditeurs ne voient pas, mais là, je vous montre un Rhino qui est imprimé en 3D. On peut le voir sur mon blog, voilà, là, je les ai pris en photo. Parce que, bon, mine de rien, comme ça, à distance, c'est quand même relativement qualitatif. Après, j'imagine que derrière, il y a du boulot. Mais voilà, celui-là, l'exemple, il est imprimé sur une imprimante à 3000 euros et t'as passé quelle quantité de matière et ça a mis combien de temps ? Alors, la matière, ça pèse rien. Ça pèse rien. Si ça pèse 50 grammes, c'est le bout du monde. Bon, si je le fais tomber, je risque de le péter. C'est pas plein. Hein. C'est une impression, là, je dois avoir une pièce au milieu qui est complètement creuse. Deux pièces sur les côtés qui font le côté du char avec la chenille, et les quatre cheminées, qui sont relativement petites, puisque c'est une reproduction d'un Rhino Eurus Heresy, pour le coup. Ça, c'est le kit Forge World, on va dire. Le Deimos Pattern, voilà. Ouais, c'est un truc comme ça. Par contre, c'est pas exactement la même chose. Hein. Il y a deux, trois petites différences qui font que ce n'est pas une copie, c'est un truc qui s'en inspire, on va dire. C'est la durée, je voulais dire, c'est ça. C'est le temps pour le faire. Le temps pour le faire, il faut une semaine. Et le temps de retravail derrière, il y en a sur celui-là ou pas? Je ne l'ai pas pensé. J'avais la flemme. Avec un bon coup de peinture, ça se fait. Ça recouvre pas trop mal parce que j'ai imprimé ça avec une finesse assez importante. L'imprimante le peut le faire. C'est pas une imprimante de basse qualité. Donc j'ai principalement du collage, deux trois petits découpes à faire pour que ça match et ça va bien. Mais c'est simple. Hein. Le Rhino reste une pièce simple aujourd'hui. J'ai fait un Spartan il y a pas longtemps, un Land Raider. J'ai mis quasiment deux semaines à sortir les trucs, pas en continu, hein, mais les différentes pièces. Il n'y avait rien qui m'expliquait comment l'assembler, donc il a fallu que je regarde comment était fait l'original pour pouvoir l'assembler en réalité. Il y a un peu plus de travail et j'ai abandonné complètement l'idée de faire les tourelles en impression 3D. J'ai mis des tourelles plastiques, de kit plastique classique. On peut pas tout faire non plus, faut pas rêver. Donc c'est ton boulot, t'as une imprimante à 3000 balles et un Rhino, c'est une semaine de taf.
Bon, bah, moi je vais les acheter chez Forge. Ouais. Hein. C'est ça. Aucun intérêt économique. Hein. Je pense que c'est quand même mieux, ouais. Voilà. C'est, non, c'est à la limite, c'est ce qu'on peut en retenir, c'est si vous avez envie de vous amuser et que vous avez du pognon, voilà. Mais enfin, et que vous avez vraiment du pognon à claquer. Voilà. Mais sinon, c'est tout, quoi. Il y a un truc que vous verrez sur mon blog, sur le Land Raider Spartan que j'ai fait, et d'ailleurs c'est ce qui va motiver maintenant le fait de faire des impressions de véhicules, c'est que je suis en train de monter une armée squat, et tous les véhicules j'ai décidé de les faire en impression, pour la simple et bonne raison, c'est que je vais mettre tous les emblèmes, tous les modèles 3D de mes emblèmes sur les véhicules et les imprimer. Donc j'aurai pas à maqueter un truc avec du green stuff ou je sais pas quoi, ou découper les trucs. Je vais tout sortir en impression, et puis je vais tout peindre de façon bête et méchante, et j'aurai tous mes logos, tous mes machins, voilà. Mais c'est vraiment de la création en ce moment-là. Et ça ne motive que ça, parce que si vous voulez faire de la duplication pour espérer payer moins cher ou autre, alors là, on oublie tout de suite. Hein. C'est, ouais, voilà. C'est perdu. Et encore, j'imagine que tu vas avoir des logos squat relativement simples, du genre une hache et un marteau croisé, ce genre de truc. Par exemple, un marteau. imaginez faire une fourrure pour les Space Wolf ou un truc super travaillé pour les Chevaliers Gris avec des gravures, etc. Une épaulette type ou ce genre de truc avec une finesse de pointe. Pour moi, c'est un boulot de dingue en conception, et puis en impression, le résultat sera dégueulasse. Eh ben, cette semaine, je me suis fait des fulgurants, par exemple. Ça se dit encore fulgurant en V8 c'est Stormbolter, c'est ça, Bolter d'assaut. Ouais, Stormbolter, ouais. Parce que je suis en train de convertir un Ironcald de d'Arcanaut de Warlord, là, les nains côté de Battle, pour faire des squats. Donc du coup, j'avais besoin de fulgurants pour mettre à des endroits, et vous voyez un peu la taille d'un fulgurant de Dreadnought, donc ce qu'il a sous le bras. Donc je les ai imprimés. Le petit bazar à imprimer m'a pris à chaque fois à peu près une vingtaine de minutes pour le sortir. Et il m'a fallu à peu près 4-5 essais avant de trouver le bon réglage pour pas que ce soit foiré. Voilà, pour sortir à peu près propre. Et ils sont pas trop mal, ils me plaisent. Mais j'ai failli abandonner et les acheter sur le net. Avec des bits. Ouais, ça t'aurait coûté moins cher en plus. Je pense, ouais. Mais après, c'est plaisir de construire. Ouais, oui, voilà, c'est ça. C'est comme je disais, c'est si t'as les moyens ou que t'as à disposition et que ça t'intéresse de créer comme ça. Ouais. Voilà, mais il n'y aura pas de rentabilité de ce que je comprends. Ah, c'est clair, c'est clair. C'est un formidable moyen pour faire du prototypage. Et on parlait de GV, je suis persuadé qu'ils en ont, des imprimantes, parce que c'est complètement dingue de ne pas en avoir aujourd'hui dans une boutique. Donc ils en ont certainement, avec des résines d'ailleurs, je pense, parce que c'est ce qui a le plus beau rendu. Les résines, ça s'affranchit du dépôt de fil, donc il n'y a plus trop de crénage. C'est relativement lisse en sortie. Mmh. Ça demande pas mal de post-traitement, mais c'est bien. Mais c'est relativement cher. Par contre, vu qu'ils modélisent toutes leurs figurines en 3D, et là on peut peut-être en parler un peu, ils les modélisent en 3D. Donc ils ont des groupes de designers, et ça je l'ai relu dans leur rapport de 2017. Hein, ils passent pas mal de fric là-dedans. Ils ont des super pointures en designer sur ordinateur. Ils font toutes leurs figurines en modèle 3D et leurs chars, etc. Derrière, rien ne les empêche, une fois que la figurine est modélisée, d'essayer de la sortir en 3D, histoire d'avoir un rendu réel et qu'un mec la peigne. Ça leur coûtera bien moins cher que de faire un moule spécifique qui coûte à peu près 20 000 euros ou 15 000 euros pour sortir une figurine et se dire « Ah putain non, mais en fait, en vrai, elle est carrément moche. » Donc c'est du prototypage. Et ouais, ça, je suis tout à fait persuadé, parce que c'est tellement facile aujourd'hui avec la techno de le faire, ils doivent le faire, je pense. Alors, c'est à peu près sûr. Ils valident les modèles donc qu'ils ont conçus en CAO, c'est-à-dire en conception assistée par ordinateur, de la même manière qu'une bagnole, qu'un avion, qu'un réacteur de centrale nucléaire, que ne sais-je, ils dessinent, conçoivent, construisent la figurine comme un modèle 3D d'une animation, d'un jeu, de je sais pas quoi. Et ensuite, ils prennent ces fichiers-là, sont pris et sont passés à la moulinette par des logiciels spécialisés pour être transformés en moules. C'est-à-dire pour tailler les moules
pour faire l'injection plastique. Et le même fichier, voilà, et le même fichier est utilisé plus ou moins directement dans une imprimante 3D pour faire le rendu physique directement. Ouais, prototype. Ouais, vous voulez en faire 10, l'impression 3D est la plus rentable, mais ça reviendra quand même très cher. Parce que j'imagine que les résines dont tu parles, ça doit valoir. Ça doit pas être donné. Sans parler de l'imprimante, elle doit, c'est des imprimantes à faisceau laser, non, et ce genre de truc. Oui, ou laser ou aux UV. Après, ouais. Le problème de ces imprimantes résine, que je vous donnais tout à l'heure, c'est elles ont un bon rendu, par contre, elles ont une petite taille d'impression. Ouais. On sort pas des gros modèles avec. Ouais, en plus. Mm-hmm. C'est un bac plein de résine qui est polymérisé avec un rayon et l'imprimante en fait monte le modèle au fur et à mesure. Elle le monte en Z, hein, en hauteur, et après elle vous sort une pièce relativement sympa qui doit repasser au nettoyage à l'alcool et repasser aux UV pour finir de la cuire. Ouais. Qui fait à peu près le même temps d'impression. Vous avez pas mal de vidéos de ça sur YouTube. Une mini, à regarder, c'est, ouais. C'est magnifique. Oui. D'ailleurs, ça va de plus en plus vite. Mais par contre, le prix. Alors, justement, je vais me faire l'avocat du client. Oui, mais dans quelques années, quand ce sera démocratisé, on devrait pouvoir le faire, non? Ah, je le fais bien. Ouais, ça fait 8 ans qu'on entend ça, ouais. Ouais. Et honnêtement, avant de pouvoir utiliser une première imprimante il y a un an de ça, je pensais que c'était relativement simple. Je pensais qu'on chopait le modèle 3D, on va sur Thingiverse pour pas citer le site, où il y a plein de modèles 3D, ça va du God Michel géant au Space Marine en passant par la vitre de je sais pas quoi, enfin toutes les conneries du monde, il y a des petits trucs, mais c'est affligeant, et à la fois bien et pourri. Il y a un an, effectivement, je pensais que c'était relativement simple, et depuis que je m'y suis mis, j'ai eu pas mal de déconvenues au démarrage, et aujourd'hui je pense plus du tout ça, c'est hyper compliqué. De l'impression 3D, c'est de l'artisanat. Vous donnez ça à un Kevin qui soit intelligent ou pas intelligent, il va le foutre à la poubelle en 2 minutes. On appuie sur un bouton, ça marche pas, on appuie sur un bouton, ça marche pas, on appuie sur un bouton, on le jette à la poubelle. C'est pas possible. C'est super compliqué. Alors, j'ai un avis de Macter là-dessus, mais est-ce que tu penses qu'un jour, les imprimantes 3D seront vraiment démocratisées pour le tout venant, pour l'utilisation commune, classique, basique? Je pense, ouais. Je pense. Par contre, on va avoir des choses qui seront très normées. On va avoir de la matière. Il faudra utiliser celle-là et pas autre chose. Elle sera vendue avec l'imprimante. Et les modèles 3D, au début, à mon avis, vont même être vendus avec l'imprimante. Enfin, il y aura des modèles qui seront dédiés. Et on aura quelque chose de simple. Mais il ne faudra pas dépasser le trait. Enfin, parce que moi, je ne vois pas l'intérêt en particulier d'avoir une imprimante 3D. Mais oui. Et c'est ça aujourd'hui. Tu vas chez une imprimante 3D, ok, bon bah très bien. Pour faire quoi? Ben voilà. Voilà. C'est le problème. Qu'est-ce qu'on peut bien en faire? En fait, on peut tout faire et rien. Bon, donc tant qu'on sait pas quoi en foutre, on n'en fera rien. Mais le jour où on en a une, c'est un truc de malade. Ouais, parce qu'on peut quand même sortir un tas de trucs avec. Ouais, puis sans compter que la technologie, les imprimantes 3D en elles-mêmes. Les prix, depuis que ça existe, ont fortement chuté et vont probablement continuer à chuter. Joker, en fait, ce qui se passe, c'est que la qualité monte. C'est un peu comme pour les bagnoles, d'ailleurs. Les prix chutent pas trop, mais on a de plus en plus d'imprimantes qui sont sympas. Ouais. J'ai toujours pas vu une imprimante qui était à moins de 1000 euros complète, avec tout ce qu'il faut dedans. D'accord. Il y a certaines mains qui vont dire « Ah si, il y en a une qui est sortie, là, en Chine, machin !» Peut-être qu'il y a 5 ou 8 ans, elle était à 10 000. Rendu équivalent. Donc peut-être que ça se démocratisera et que les prix continueront à chuter, mais moins vite, c'est ce que je voulais dire. Par contre, je pense que les matériaux, eux, ne bougeront pas en prix. Risque d'augmenter. Bah, le futur, c'est la résine. Hein. L'impression 3D qui va bien, c'est la résine. Parce que c'est chouette, c'est rapide, c'est de plus en plus rapide. Par contre, c'est ultra cher. Et là, grand public... La cartouche à 200 euros pour avoir 150 millilitres, c'est un peu chaud, quoi. Ouais, c'est ça. Et le post-traitement derrière... En gros, si les gens râlent sur le prix de leur cartouche d'imprimante d'ordinateur, quoi, imprimante papier, ça vaut pas le coup qu'ils essayent de regarder dans les imprimantes 3D, quoi. Ah bah c'est clair. C'est un peu ça, et c'est bien pour ça que HP s'y est mis, hein, l'impression 3D, ils ont vite vu qu'il y avait un truc intéressant, hein, qu'on pouvait se faire du fric avec. Hein. Ah, mais là, il n'y a pas de philanthropie, hein, malheureusement. Hein. Aujourd'hui... si ça gagne pas de l'argent, les mecs, ils en vendent pas. Hein.
Après, le problème, c'est la fiabilité. On a une imprimante qui est fiable là où je travaille, une imprimante professionnelle. Elle coûte 150 000 euros. Elle est grande comme une machine à café. C'est un four ambulant. Elle a des racks pour mettre des bobines qui font 5 kilos. C'est un truc de malade. Les mecs, ils l'utilisent tout le temps pour se faire des pièces diverses et variées. C'est un truc qui est fiable. Mais putain, ça coûte une fortune, quoi. Et là, tu peux imprimer un Space Marine, c'est comme il faut. Non. Parce même que c'est moche. Parce que c'est moche esthétiquement. C'est costaud quand ça sort les pièces, mais c'est surtout pas. Surtout pas. Ouais. Celle que j'utilise est bien plus fine. Par contre, elle est plus lente, elle est moins fiable. Et pour une comparaison un petit peu foireuse, y a pas de secret, hein. Si la personne qui a déjà râlé sur les Gurin Forge ou les Finecast, sur les contre-dépouilles, les bulles, les plots d'injection, les choses comme ça, qu'ils essayent pas, parce que t'arrives forcément sur des paramètres que tu peux pas. Quand t'es sur ce type de production, tu peux pas fiabiliser l'ensemble. Autant sur le plastique, tu as des. Alors, je dis ça à un ton très péremptoire, mais j'y connais rien. Mais sur le plastique, tu peux fiabiliser un petit peu le truc parce que c'est des moules spécifiques, tu peux injecter un peu plus à chaud, sous vide et tout. Autant sur de la résine, tu dois pouvoir injecter le truc. Enfin, sur la résine, bêtement, moi j'en ai fait un petit peu du moulage. Principalement des socles, j'ai copié 2-3 épaulettes, des conneries comme ça. À un moment, tu te retrouves sur un paramètre à la con, c'est t'injectes de la résine. Sauf que dans ton moule, il y a toujours de l'air. Donc il faut que l'air il puisse ressortir. Donc il faut que tu aies un plot. Oui. Voilà. Il faut dégazer. Et si tu as des petits motifs dedans, l'air va pas forcément ressortir. Donc après, il faut bien secouer ton moule. Sauf que tu peux pas le secouer à la main. Donc idéalement, il faut un truc à ultrason ou une table vibrante pour bien tout enlever. Enfin, au final, dès que tu arrives sur des petites productions comme ça, dès que tu arrives sur des pièces un petit peu complexes, et quand je dis un petit peu complexes, je parle par exemple d'une épaulière avec un symbole Blood Angel, Space Wolf, Dark Angel, Ultramarine, n'importe quoi. Rien que en faisant du moulage, de la copie à la con, t'arrives sur des contraintes qui sont énormes. Donc sur de l'impression, j'imagine que ça va déjà être un. Faut déjà toucher un minimum en CAO et il faut avoir envie derrière de le retravailler. En plus. Puis c'est c'est comme dit Bad Cop, c'est un artisanat, c'est limite un métier quoi. Parce qu'il faut un savoir-faire qui va s'acquérir avec un sacré paquet de foirage avant d'arriver à sortir bon rapidement. Et puis c'est marrant que tu parles de excuse-moi, je te coupe, oui. Wolfie. Tu parles de Forge World et des fancasts et puis et des kits plastiques. Il y a un monde entre les deux. Entre Forge World et GV, est-ce que vend GV en kit plastique, c'est du tout la même chose. C'est un truc qui est complètement à l'opposé. Là, on arrive à nous l'expliquer un petit peu ça. Ah oui, c'est hyper simple et Wolfie, c'est très bien parce que et d'ailleurs tu l'as fait Rain aussi. Forge World, c'est des moules en silicone. Des moules en silicone. Il y a un maître modèle. Ils ont fait un maître modèle à jour. Ils ont sculpté un modèle où ils l'ont usiné, où master, ils ont démerdé pour le finir. Ils ont fait un master. Et ils l'ont coulé dans du silicone liquide qui a durci. Ils ont coupé les moules en deux. Là, quand on parle de silicone, c'est une résine relativement élastique une fois qu'elle est sèche. Après, ils ont coupé de manière savante pour pouvoir sortir le maître modèle du moule. Ça j'en parle parce que moi je travaillais à une époque avec un prototypiste qui utilisait cette technique là et après ils remplissent de résine leur moule en silicone pour pouvoir reproduire leur maître modèle. C'est là où il y a le souci, sauf que pour remplir, effectivement, c'est que, pour remplir, pour chasser l'air, c'est pas simple. Et puis surtout la durée de vie du moule en silicone, elle doit être à peine au 10e ou 20e de la durée de vie d'un moule métallique pour de l'injection plastique. Ouais, ça vit très mal et ça se remplit mal. C'est pour ça qu'il y a des kits Forge World qui sont pleins de bulles, qui ont des bulles, sans parler des pièces qui sont tordues. Oui. Alors ça, parce qu'en fait, vous coulez la résine, en fait, la résine c'est souvent un bicomposé. Vous mélangez deux résines, elles vont chauffer et durcir. Ouais. Donc ça met un certain temps à chauffer et à durcir. Sauf que si on le démoule trop vite, le truc n'a pas fini de durcir et des fois, il a une forme qui n'est pas top. Cet aspect-là, puis suivant le design des pièces, suivant l'épaisseur à certains endroits, comme ça chauffe, ça refroidit. Mais plus c'est épais, plus ça refroidit doucement. Donc certaines zones de la figurine ou de la pièce ne vont pas refroidir à la même vitesse.
Et donc, quand on va sortir, ça va être tout tordu. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce que j'appelle, moi, de l'artisanat. Oui. Alors, c'est sûr qu'on peut faire des trucs peut-être plus fins et plus difficiles à démouler qu'avec de l'injection. Parce que, attention, l'injection, dans un moule métallique, le moindre bitonio qui dépasse, qui se démoule pas, il sortira pas avec, ouais, la figurine. C'est ce qu'on appelle une contre-dépouille. C'est un truc, imaginez, je sais pas, vous moulez une figurine avec un bras et il dépasse. Il y a un truc qui dépasse du bras et qui, avec le moule silicone, quand vous écartez le moule, vous sortez tout. Parce que vous l'écartez, c'est flexible. Un moule métallique, le truc, il reste, oui, dans le moule et votre figurine, elle est morte. Voilà. Donc faut faire plus simple et plus chiadé. Et c'est pour ça qu'il y a plein de pièces d'ailleurs. Et je trouve que les grappes de figurines aujourd'hui de GV, depuis même quelques temps, sont extrêmement bien pensées. Ils les ont bien découpés, leurs modèles. Ils sont découpés en plein de petits morceaux. D'ailleurs, le cigare du ouais, Goliath de Necromunda, merci, ça le prix là. Hein, que j'ai pas fait tomber grâce à toi, Rain. Hein. J'ai beaucoup de messages de soutien là-dessus, ça me fait très plaisir. Je l'ai mis, mais j'ai failli le jeter, ce truc-là. C'est infâme. Mais voilà, il découpe tout pour pouvoir avoir une figurine qui se démoule correctement. Et même, il se débrouille pour cacher certaines parties qui sont découpées. C'est là-dessus qu'il faut un boulot de fou en ce moment. Parce qu'il faut bien imaginer, un moule, ça va être... Vous prenez une grappe, hein, ça va avoir la taille de la grappe, un peu plus large, un peu plus long, forcément. Épais, ouais. Ouais, alors, c'est ça. Ça va dépendre des moules et technologies, mais entre 5 et 10 cm d'épaisseur, hein, de, voilà, c'est pas spécialement énorme. Par contre... Ouais. Si c'est épais, là je te reprends, ça peut faire 20 oui, cm. Oui, on n'est pas sur 3 mètres d'eau. Excuse-moi. 2 cm, 4 ouais, cm d'épais. Ouais, mais c'est très normalisé chez eux. Quand vous séparez la partie haute, la partie basse, le fait d'avoir placé l'épaulière un petit peu de travers, ça permet d'avoir, par exemple, la ligne de moulage qui suit l'arête de l'épaulière, et donc d'éviter d'avoir ce genre de choses. C'est pour ça que vous retrouvez de plus en plus à avoir des grappes avec des figurines qui donnent l'impression d'être mises dans tous les sens, avec la jambe, les jambes qui passent au-dessus, enfin qui sont vraiment pas placées dans l'axe de la grappe, parce que ça permet justement d'éviter d'avoir des lignes de moulage très marquées, comme il y a pu y avoir il y a quelques années. C'est exactement ça, c'est des savoir-faire qu'on trouve depuis relativement longtemps dans les industries classiques, et puis qu'ils ont dû développer la compétence. Et moi, j'ajouterais aussi, compte tenu de ce que je vois de la qualité des figurines récentes, il doit avoir aussi un parc de presse injectée et une qualité de réalisation des moules qui est très bonne. Je parle par rapport à ce que je connais du métier et l'expérience que j'ai, parce que le rendu est très joli. Les lignes de moulage dans ce qu'on appelle les plans de joints sont dures à trouver, en fait, même. Donc ça combine à la fois un beau savoir-faire dans la conception et l'industrialisation, et à la fois un outil industriel qui est de pointe, je dirais. D'ailleurs, ils ont tout intégré, c'est-à-dire qu'ils font tout chez eux. Ils font leurs outillages, ils font leurs moules, ils injectent, bien entendu, ils font tout à la maison. Ce qui n'est pas quelque chose qui est aujourd'hui très courant dans l'industrie de la plasturgie. Ça l'a été il y a très longtemps. Il y a très longtemps, tout le monde faisait tout. Aujourd'hui, dans l'industrie de la plasturgie, on a les gens qui font des moules et qui ne font que des moules. Et on a des gens qui transforment, c'est-à-dire qui mettent les moules dans des presses et qui injectent le plastique dedans et qui ne font que ça. Les deux activités sous le même toit, c'est rarissime. C'est simple, hein, c'est très très bien explicable. Hein. Vous savez que GV sont les champions de la paranoïa de la copie. Et vous n'allez pas foutre un moule chez un mouliste qui travaille à 500 km de chez vous en vous disant il y aura pas de souci, hein, ils vont le faire, ils vont vite nous l'envoyer, ils en feront rien d'autre. Les mecs, ils vont taper des pièces, ils vont vendre les modèles. Leurs modèles 3D, on les trouve pas. Et s'ils veulent aujourd'hui ne pas se faire copier, il faut surtout pas que ça sorte de chez eux. C'est clair. Tout ce qu'ils conçoivent, que ce soit un moule ou une pièce, ça reste à la maison. Et ils ont intérêt de le faire. C'est tout à fait logique et tout à fait intelligent de leur part. Hein. Ah bah on les traiterait de cons s'ils faisaient pas ça. Hein. Sauf qu'à un moment donné, s'outiller comme ça, s'équiper avec un beau parc presse, les compétences et les outils pour pouvoir faire les moules en interne, ça a dû leur coûter une sacrée fortune. Mais là, bon, faudrait connaître le fonctionnement en interne et puis faire limite un audit pour savoir exactement ce qu'ils ont sous la main. Mais par contre, si les gens veulent s'essayer chez eux à faire un petit peu de moulage, choses comme ça, de l'injection de résine, des moules en silicone et tout, pour 100 balles,
compter voilà 50 balles de silicone et de résine à injecter dans des magasins de loisirs créatifs, compter 50 balles de petit outillage à base de gants, à base de seringues, à base de lubrifiant, enfin voilà, des petits achats comme ça à côté. Voilà, pour 100 balles, vous pouvez essayer chez vous, et vous allez vite vous rendre compte que c'est pas si simple que ça, que pour mouler une petite pièce, ça peut aller, pour aller sur des socles, des choses comme ça, des parties, des moules en une partie, où au final, bah, tu coules juste ta résine dedans, et puis t'arrêtes à ras, et puis après t'arrases, tu le fais relativement simplement. Dès que t'arrives sur des moules en deux ou trois parties, bah, tu te retrouves à te poser des questions connes, mais ne serait-ce que voilà, tu fais un moule, si tu mets pas de lubrifiant, ta figurine t'arrivera pas à la démouler correctement sans la péter, ou sans péter ton moule, parce qu'à un moment tu vas t'énerver, et la troisième fois tu vas tirer trop dessus, il va casser. Sauf que si tu mets trop de lubrifiant, bah ça prend la place de la résine. Donc t'auras un endroit où t'auras pas de résine. Donc t'as c'est plein ça. De petits paramètres comme ça qui rentrent en ligne de compte, et au fil... Pour étayer ton histoire, je me suis essayé à faire des chainsword moulés, parce que je voulais des chainsword pour mes primaris format primaris. Ben, en fait, j'en ai fait, j'ai abandonné et je les ai sculptés. Voilà. Ouais. Bah, c'est logique, hein. C'est pas voilà. Facile. Hein. Alors, c'est pas de l'injection d'ailleurs. Les dents ne ressortent pas. Désolé, Ryan, hein, c'est pas de l'injection. Oui, pardon, couler. Tu fais couler. Ouais. Quand on me dit injection, je vois la grosse presse qui injecte en pression. T'as envie de me casser la main. Moi, j'avais ma seringue, je l'enfonçais dedans et tout. J'avais l'impression de faire un vrai truc. C'est bien ça. C'est une bonne astuce. Et puis après, quand on a essayé ce genre de choses, on se retourne après, on regarde le marché de l'occasion sur eBay ou ailleurs, la variété des pièces chez Games Workshop ou ailleurs, puis on se dit que finalement, on trouve tellement de choses aujourd'hui que faire du pur prototype pour soi-même, bon, c'est là, je suis en train de monter une légion titanique démoniaque pour équipe que j'ai entièrement convertie, mais j'ai rien sculpté dedans. J'ai écumé tous les fabricants de gamme alternative, les marchés de la pièce détachée, et j'ai fait de la conversion à gogo de cette manière. Bon, en gros, pour résumer, aujourd'hui, si on veut faire un truc moulé soi-même, imprimer soi-même, ce genre de choses, si on a la passion de ça, ça peut le faire, mais il faut se donner les moyens de le faire. Sinon, si c'est juste pour gagner du pognon, c'est pas le bon moyen, quoi. Gagner du pognon, vous allez être obligé de faire des choses rapides, très médiocres, en impression 3D, hein, je parle. Et du coup, vous allez pas les vendre, quoi. Enfin, les mecs sur eBay qui vendent des trucs qui sont hideux, enfin, ils les vendent pas au final. Voilà. Les mecs doivent se marrer quand ils doivent voir ça. À l'époque, j'étais dans la partie, et puis Bad Cop y est encore. On pensait il y a 2-3 ans que ça allait se démocratiser, qu'on allait pouvoir sortir des armées en série, etc. Et on est largement revenu de cette vision idyllique. Alors, si, il y a un truc qui est intéressant dans le moulage, que ce soit avec du silicone ou autre, ou avec de l'impression 3D, le seul intérêt de ce truc-là, c'est la création ou les choses qui ne se font plus. Les choses qui ne se font plus hyper chères, on va prendre un exemple tout bête, Battlefleet Gothic. Vous voulez vous acheter une flotte de Battlefleet Gothic. Bon, là, les règles au secours, mais ça, c'est pas grave. Vous avez vraiment envie d'avoir votre flotte. Ah, c'est compliqué ce truc-là. Le mec qui joue à chaque fois, j'y dis, alors je passe mes étés. Il y a 4 pages de règles. Faut crier alerte impact. C'est pas compliqué de crier alerte impact. Alors, la blague, c'est que je passe tous mes étés à lire les règles de Battlefleet Gothic et j'ai acheté 2 flottes. Hein, j'ai fait cette connerie et j'y ai jamais joué. Et tu passeras à la maison, je t'apprendrai. Et d'ailleurs, je pense que Wolfie va défailler s'il faut qu'il y joue. Mais c'est un peu complexe. Mais bon, tout ça pour dire que la Battlefield Gothic, vous trouvez des modèles 3D relativement approchants pour des flottes impériales ou des flottes du chaos. J'en ai trouvé pas mal. Ça, à imprimer, c'est pas trop compliqué. Ça s'imprime bien et ça évite de se payer une armée sur eBay d'un mec qui va honteusement vous la vendre 800 € les 10 figurines. Putain, je suis riche. 800 € les 10 figurines. Putain, j'ai des couilles en or dans mon garage. J'abuse un peu. Non, tu exagères un peu. Va voir sur eBay, c'est cher, c'est ça le prix. Hein. Et puis, moi, je rebondis pour Epic, pour plein d'unités de véhicules qui n'existaient pas dans les gammes de l'époque. Comme en plus, on peut se permettre des designs assez simples.
l'impression 3D peut avoir un certain intérêt. Ouais. D'ailleurs, elle en a, parce que bon, tu fréquentes les forums, il y a certaines gammes, certains trucs, il y en a qui ont reproduit des armées de chevaliers à épique en prenant des fichiers 3D, alors refaits ou volés à Games Workshop, j'en sais rien, mais des reproductions à l'échelle des chevaliers d'aujourd'hui, et c'est vrai que c'est joli. D'accord. Et là, comme on est sur de la petite figurine, où le rendu n'a pas besoin d'être parfait, parce que c'est une échelle qui autorise certaines approximations, c'est pas mal. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour conclure sur le, bah, tout ça, les imprimantes 3D, les moulages, le homemade à ce niveau-là? Où est-ce qu'on a fait le tour? Oui, la magie, c'est que dans Harry Potter. Bon ben, désolé Kevin. Bah ouais, puis il faut avoir des ronds aussi. Il faut avoir un certain budget si on veut assouvir sa passion de la modélisation 3D. De l'argent et du temps. Et du temps. Et du temps aussi, ouais. Du temps aussi, après, ouais. Peut-être que des gens qui sont dans la prothèse dentaire, parce que je sais que dans la prothèse dentaire, ils commencent à utiliser ces technologies-là. Ils oui, ça marche bien. S'ils ont un accès facile à une imprimante qui est faite pour ça et avec les matériaux qui vont avec, peut-être qu'ils vont nous contredire en nous disant nous on y arrive, on a tout ce qu'il faut, on sort des figurines jolies, mais c'est très très marginal, je pense. Et c'est très cher aussi. Voilà. Il n'y a pas d'intérêt financier, c'est clair. Bon, bah écoutez, merci d'avoir plombé le moral de Jean-Kévin. Hein. Hein, c'est dommage, mais. Désolé, Kevin. Voilà. Mais bon, regarde le green stuff au kilo, ça doit pas être très cher. Non, et puis voilà. si les gens. Ouais, chez Games, oui. Chez Green Stuff World. Si les gens veulent essayer, ils peuvent trouver des Fab Labs proches de chez eux. Vous cherchez Fab Lab, FABLAB. Où ils peuvent essayer des imprimantes 3D, généralement avec des tuteurs qui vont leur expliquer le truc, et vous allez vite déchanter. Puis sinon, je vous dis, ben essayez, hein, magasin de loisirs créatifs, vous trouvez des moules, enfin, de quoi faire des moules, de quoi faire des masters, et puis testez. C'est encore le meilleur moyen de voir. Les Lego, très bien les Lego pour faire les moules de. Ouais, j'ai fait des tutos à l'époque. Acheter des Lego, monter un moule avec. Ouais. Bon, ben les mecs, c'était super sympa de vous avoir dans l'épisode. Bon, à part le Merci joueur Space Wolf V2, ouais. C'est insupportable. Joueur. Pourquoi il y a autant de joueurs Space Wolf? Non, vraiment. C'est cool. Parce que c'est classe. Non, mais j'ai ma théorie là-dessus, mais je me la garde pour Collect Space Wolf. En fait, quand tu lis le fluff, les Space Wolf, c'est les seuls qui font des blagues à l'Inquisition, et rien que pour ça, c'est cool. Ça me fatigue. Un bon exterminatus tiens sur la gueule. Tout se cramé. Et puis c'est quoi ce principe de mettre Wolf partout là? Tu t'es pris pour Batman? C'est le Wolfor, le Wolf Priest, la Batcave, le Batordinateur. C'est pareil, c'est ridicule. Enfin... T'es jaloux? Non, c'est ridicule. Avoue, t'es jaloux. Si, tu vois, le nom, il voulait tout dire. Il est jaloux. Voilà, c'est ça. C'est tout. Tout simplement. Voilà. On terminera sur ça. Ouais. Non merde, je rentre à la maison. Encore une fois, encore une fois, merci beaucoup pour votre présence. C'était vachement sympa. Merci à vous de nous avoir accueillis au sein de votre podcast. Et puis, ça a été bien sympa de pouvoir débattre de nos lubies et de notre vécu de joueur. Merci, effectivement, merci de nous avoir accueillis, et c'est quand même bien sympa de parler de l'hypocrite. En espérant que Jean-Kévin ne sera pas trop dégoûté. Bah, il m'a cassé mon effet, pour une fois, je disais un truc sympa. C'est mon boulot. Bon, c'est sympa boulot. De se retrouver. Bon, c'est toujours sympa de se retrouver, de discuter de 40K, ça fait toujours plaisir. Et, ouais, non. Clairement. Il y a tellement de choses à dire. Récemment, vous venez quand vous voulez, et puis je vous dis, collègue Space Wolf, vous venez tous là. Tous les Space Wolf qui sont passés, vous venez. Ouais, allez. Je prends tous un par un. J'ai avec mes Dark Angel. Voilà, allez. C'est pas possible. Chiche. Ça va être un podcast à la con, ça, je sens. Enfin, un épisode bien bordé. Ah, le podcast Space Wolf. Ah, bah, le générique, c'est Balbrook. Comment ça s'appelle? 30 millions d'amis, hein. Je te préviens tout de suite. Je ferai une chanson de nouveau. Bon, ça sera pour septembre.
Et merci à vous tous pour nous écouter et être fidèles, même si on comprend pas trop pourquoi, à notre podcast. Comme d'habitude, hein, vous pouvez nous retrouver sur iTunes, sur notre hébergeur Digipod et sur Facebook, ou nous joindre par mail pour toutes vos questions, remarques, insultes, mots d'amour, sur droppodcast@gmail.com, DROPODACST. Des bisous à tous, ou pas. Et à bientôt sur Drop Podcast. When it's cold.